Bonsoir, bonsoir! Comment vous allez? Alors, on a déjà un petit peu de monde. Coucou Ingrid, coucou Audrey. Coucou Delphine et coucou Delphine. <laughs> Comment vous allez les filles? Coucou Stéphanie! Coucou Céline, coucou Domi, coucou Edy, ça va, ça va. Je suis un peu fatiguée mais ça va. Une dure semaine. <laughs> on se retrouve ce soir du coup pour un petit live. Donc il y aura le sneak peek Coraloa. Donc cette fois je l'ai filmé avant. Je vous diffuserai la vidéo et on pourra en discuter ensemble dans le chat. Et après. Bien évidemment. Et après, euh, bah, je ne sais pas ce qu'on va faire. <laughs> je, je suis très indécise ce soir. Et le petit loto. On va pas oublier le petit loto qu'on va faire avant de lancer euh, une prédiction, euh, quelle qu'elle soit. Oh, coucou Kathleen, comment tu vas Du tricot, ah, ça ne risque pas ça. <laughs> je ne sais pas en faire. Et coucou Cécile, si, si, je ne t'avais pas vu. Comment tu vas alors, j'ai tout prévu sauf du DP ce soir. J'ai prévu plein d'autres loisirs. Je vais vous faire voter après. Tu es fondu. Ah, ça m'étonne pas. Franchement, pff, cette chaleur. Coucou Lissi, comment tu vas? Coucou, Edénissine. Vous allez bien Qu'allez-vous faire ce soir, vous Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus. Enfin, je vais attendre. Elle est 40 pour lancer l'unboxing. Ça va, ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. J'ai <laughs> deux grosses semaines là. Enfin, celle-ci plus la semaine prochaine qui sont assez chargées, du coup. À manger, bonjour. T'as pas encore mangé <laughs> Il y a quoi de bon au menu ce soir Nous, on a mangé sushi. On a fait vite. Et c'était bon. Rien, j'en peux plus de manger, c'est Mais <laughs> Maman, je suis pas, ta raison. Je suis rentrée ce soir, partie depuis mardi, donc repos. Ah bah, tu m'étonnes. Ça fait pas de mal de se reposer aussi. Moi aussi manger ça cuit ensuite. Du point de croix ou du colo. Je ne sais pas encore. T'ép pour moi. Très bien, très bien, les filles. Alors ce que je vais faire à la rigueur, c'est que je vais lancer le loto maintenant. En laissant. Euh... J'attends pour manger mon croissant au chocolat. <laughs> c'est bon ça, dis donc. Euh, je vais lancer le loto maintenant. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le principe du loto, c'est simplement une petite prédiction. Avec des chiffres de 1 à 10, vous votez pour un chiffre. Et puis, vous pouvez gagner des petits cookies. Je vais laisser... Euh... Alors, c'est du pur hasard. Hein. Parce qu'après, en fait, je fais... J'utilise une petite... Euh... Un petit tirage au sort pour, pour savoir quel chiffre sera tiré. Euh... L'auto... Je n'ai pas de modèle. Ok. Alors. On va l'appeler l'autopie. <laughs> Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne refais pas avec les mois et tout ça. On fait vraiment de 1 à 10. Je ne peux pas aller plus loin en plus. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Prédiction, je la mets pendant 5 minutes. Comme ça, ça laissera le temps aux retardataires de pouvoir voter également. Et coucou Sylvie, tu fais du DP Tu travailles sur quoi comme DP Coucou Phoebe, comment tu vas Vous m'entendez bien parce que le micro il est un petit peu loin. Pas très fort, ouais. Je vais le rapprocher de moi. Mmh. Vous allez le voir un petit peu plus dans, dans le retour, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est mieux Est-ce que vous m'entendez mieux Mais en même temps, alors, vu que j'ai fait mes petits trafilles de bouge, son... un peu trop Oh ben, je les avais oubliés <laughs> Je les avais oubliés ces petits sons. <laughs> ouais, c'est mieux. Ok, bon bah, tant mieux. Mmh. N'hésitez pas à aller miser vos petits cookies pour essayer d'en gagner encore plus. alors une chance sur 10, hein. mais bon... <laughs> Bon, bah parfait, je laisse comme ça. De toute façon, j'ai pas, euh, pas prévu des activités qui prennent beaucoup de place sur ma table euh, aujourd'hui, donc. Euh... La mélodie de l'amitié. Oh. Bon, je vois pas c'est quoi comme image du coup. Ben... Le nom en tout cas est très joli. <laughs> T'arrives pas à voter Comment ça se fait Faut que tu cliques sur le petit cookie, sinon Delphine, si tu vois plus la prédiction peut-être Vous n'êtes pas nombreuses à avoir voté. Vous êtes 4, 5, ah ça y est, ça monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça monte, ça monte. Je vois la stratégie, les filles. Allez sur les cases où il n'y a encore personne. <laughs> Comme ça, vous êtes toutes seules à rafler la mise. Des fois, il faut quitter et revenir. Ouais, des fois aussi, il faut. Ouais, 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 Ça va, ça va. Ça va, Phoebe. Fatiguée, mais ça va. Un portrait de jeune fille. Ça marche pas du tout, Delphine. Bah, quitte et reviens. Trop tard. J'ai déjà voté. <laughs> <coughs> Tic-tac, tic-tac. Il reste 2 minutes 30 pour la prédiction. Bon, déjà, est-ce que vous auriez une petite idée Alors, attendez, je, je suis en train de réfléchir. Est-ce que Aura Loa a partagé toutes les images qui vont sortir Je ne crois pas. J'allais dire, est-ce que vous auriez une petite idée de laquelle j'ai entre les mains Mais alors, attendez, je vais regarder s'il l'a déjà euh, publié. Aura Loa. Ah voilà voilà. Attendez, je j'ai deux tenses. Je suis désolée mais <laughs> j'aurais dû faire le live hier hier soir. J'étais plus en forme. Alors ouais il y a celle-ci un deux trois. Ah elle en a sorti que trois mince et puis celle que j'ai bah elle n'est pas dans les, elle est pas dans les modèles qui sont sortis. Oh, elle va nous tenter. J'ai vu celle sur la chaîne de Céline Diamante et je suis déjà... Ah bah celle de Céline, elle est juste magnifique. D'ailleurs, euh, ma petite Céline, je t'invite à partager ton lien YouTube pour que les gens aillent voir ton sneak peek, s'il te plaît. <laughs> je... Si elle est encore là et qu'elle n'est pas partie cuisiner. <laughs> J'ai beaucoup, beaucoup hésité avec celle de Céline, sachez-le. <laughs> Veux-tu bien nous partager ton petit lien, ma petite Céline, que tu as partagé, que tu as fait ton, ton sneak peek C'est quoi ce petit singe qui se cache <laughs> Et coucou la bijoteuse, comment tu vas Moi, ça va. Fatigué, mais ça va. <laughs> On va tenir le coup. Heureusement, c'est le week-end. J'ai fait une sieste pourtant cet après-midi, je crois que j'ai dû dormir au moins deux heures. Les filles remercient Monsieur Oraloa pour l'entrepôt en Europe et le nombre de sneak peek car chez Dak. Il y a beaucoup de changements hausse des prix pour l'Europe. Plus 15 euros par rapport à la même taille chez Oraloa. Car art. Allongement des délais de livraison. En gratuit et arrêt des sneak peeks, des sneak autres que les chaînes américaines. Ouais, j'ai entendu parler de ça qu'ils arrêtaient les sneak peeks avec les francophones. Euh, Quand j'ai appris ça, enfin, j'ai envie de dire, j'étais étonnée, oui et non, en fait, parce que je trouve que DAC n'a aucune considération pour sa clientèle française, en fait. Donc, euh, voilà. Coucou Nana Queen, comment tu vas? Il y a la petite Céline qui vous partage le lien de son de son sneak peek, donc si vous voulez aller voir euh, l'une des sorties de lundi, une, une pépite, alors je vous invite à aller, euh, aller voir la chaîne de Céline. Bon, après, bien sûr. <laughs> Mais gardez le lien dans un coin, là. Au pire, on le repartagera aussi à la fin de, du live, si t'es encore là, ma petite Céline. Coucou Nana Moy, comment tu vas Non, il n'y en aura plus. Ils arrêtent les sneak peek avec les françaises. Que ça fait un moment que la clientèle française ne les intéresse plus et qu'ils font plus rien pour que ça s'arrange. Ah, bah on est bien d'accord, Lucie. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On ne doit pas être une part assez importante du marché pour eux, du coup, ils si sont pâtes les cacahuètes. <laughs> Alors après, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour les autres compagnies. Hein que les gens vont se rabattre ailleurs. Ça va, ça va, merci Nana. Les perso, je trouve les images Auraloa bien plus jolies. Bah, là, je te rejoins aussi complètement, Lucie. <laughs> je trouve plus facilement mon bonheur chez Auraloa ou chez Carhart que, euh, que chez DAC, clairement. La rumeur parle que DAC va peut-être arrêter les livraisons vers l'Europe à cause de la TVA plus frais de douane. Alors que la douane, c'est à partir de 150 euros. Bah ouais! Mais c'est à eux aussi de faire une déclaration de prix. Euh, je ne sais pas euh, combien ils déclarent. Après, ceux qui commandent peut-être deux toiles, bah ben oui, des coups, ça dépasse les 150 euros. Mmh. Ils ont qu'à mettre leur toile moins chère. <laughs> On dépasserait moins les 150 euros par, par commande. Après, euh, les frais de douane, normalement, c'est à la charge de, de la personne qui achète. Hein, Ce n'est pas à DAC de payer les frais de douane. Hein. Alors, je comprends que ça fait mal, mais... Euh... C'est pas à DAC de payer ça. Hein. Ni la TVA. Enfin, déjà, la TVA, elles l'ont bien réper répercuté hein, quand, Vu, vu l'augmentation de leur prix de toile, on avait fait le calcul. Hein, C'était plus du. C'était pas que du 20% qu'ils avaient augmenté leur, leur prix. Et bien, je que tu disais Nana Queen. Non Il y a une Nana Queen <laughs> Pour moi, je me demande quoi Il y a Nana Queen qui arrive en même temps. Oui, c'est ça. <laughs> Coucou Zoé, comment tu vas Persuada que je suis pas fan des illustrations qu'ils proposent. Bah ouais, Des fois, ils ont des images qui sont super sympas, mais moi, c'est leur conversion que j'aime pas. J'aime pas du tout, attendez. Petite interruption. Oui, c'est leur, euh, leur conversion, moi, que j'aime pas. Ils en ont des très belles images et je trouve des fois, quand je regarde comment elles sont converties, je veux... Oh, oh non, pourquoi Pourquoi pis, du coup, je craque pas. <laughs> Coucou Florence, comment tu vas Dac, ne met pas le prix réel car deux toiles, 65 et 95 euros, ils ont indiqué. Bah alors comment ça se fait qu'il y a des frais de douane Il devrait pas il y en avoir. Faites gaffe aux arnaques hein, aussi hein, par rapport aux frais de douane. Hein. Il y a plein d'arnaques qui tournent pour ça. Hein. Quand vous réclame la TVA, mais encore même pas, parce que là, il suffit de demander à DAC le justificatif comme quoi ils vous ont déjà impacté la TVA, donc vous n'avez pas à repayer la TVA à la livraison, et encore moins des frais de douane si sur le colis c'est marqué 25 ou 55 euros. Il faut faire gaffe aux arnaques. Hein. Comme Claude et Plateau, on en a, on a que pour les gens du Québec, sauf à pas aimer, Elle avait acheté un stylet, sauf que ça n'a pas fait sa déclaration comme il faut, Elle avait refusé colis, car douane. Mais de la douane à payer. T'es sûr que c'était de la douane et pas de la TVA non. Oui, bah elle aussi c'est pareil. Elle a complètement délaissé euh, la clientèle française. Elle ne vend qu'au Québec, je crois, qu'au Canada et aux États-Unis peut-être. C'est dommage. Parce que moi j'aimais beaucoup ses produits, mais bah, on peut plus acheter quoi. Ou alors un prix pareil avec des livraisons hors de prix. Hein. Ah, c'est une conversion manuelle, donc moins fidèle aux couleurs. Ça va, merci Zoé. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Le prout n'a pas marché. Enfin, moi je ne l'ai pas entendu. <laughs> Coucou Miss Framboisette, comment tu vas Bien pour Florence. Normalement, Doc, tout est inclus. Bah ouais. Bon, il est quelle heure Il est 47. Est-ce que ça vous dit qu'on lance euh, du coup l'unboxing Les prix chez Doc sont obscurs. On ne sait pas. Mais même si tu demandes une facture, je vous avoue que j'ai pas fait gaffe la dernière fois que j'ai commandé. Euh... Enfin, moi, quand j'ai commandé Norbert Dragono, là, euh... bon, j'ai pas eu de problème de douane ou quoi que ce soit parce que forcément ma toile elle était pas un prix, elle m'a coûté pas 150 balles donc c'était normal qu'il n'y ait pas de frais de douane. Mais après, euh, vu le prix qu'on paye sur leur site, c'est bien marqué à un moment où vous payez que la TVA elle est incluse donc euh... après, faut demander. si jamais vous avez des problèmes avec. Euh... Avec votre livreur qui vous réclamerait la TVA ou quoi que ce soit, bah vous refusez le colis en attendant et vous demandez à DAC la facture. Et puis, bah vous montrez la facture comme quoi la TVA elle a été payée et vous pouvez récupérer votre colis sans rien payer. quoi. À Action, ils ont sorti un plateau. Ouais, j'ai vu ça. Mm -mm. J'ai vu ça, Nana moi. Enfin, J'ai vu un post tourné sur Facebook à propos de ça. Après, je ne l'ai pas vu moi-même de mes propres yeux, le, le plateau. Mais ouais, j'ai vu ça. Si on peut... Maintenant, mais après. Reçu SMS de la poste, frais de douane. Mais c'était pas des frais de douane que tu devais avoir, Domi. De C'est pas normal, enfin, pour à moins que tu en avais pour 150 euros de commande. Normalement, t'as pas de, de, de frais de douane, quoi. Sur le prix d'une toile, il y a déjà la douane. Hum, tu crois vraiment qu'ils incluent les frais de douane moi, je ne sais pas. On lance le, le sneak peek. Alors, j'espère que ça va marcher. J'ai fait un test. Normalement, tout va fonctionner. Alors, j'ai peur pour le son. Alors, ceux qui ont des écouteurs, attention, si jamais c'est trop fort, euh, <laughs> méfiez-vous. Normalement, ça ne devrait pas être trop fort. Vous me dites, j'ajusterai le son en fonction euh, de vos petites oreilles. Et euh, on, va lancer, euh, on va lancer ça. Non, moins de 40. Donc, on n'a pas fait de déclaration, mais l'histoire est réglée. <laughs> voilà, comme ça au moins. On <laughs> n'en parle plus. Allez, vous êtes parti. Vous êtes parti. <laughs> mais oui, Pauline, vous êtes prêts pour le sneak peek au Raloa Et après, on choisit euh, ce qu'on fait ensemble. Si ça vous dit. On est parti Are you ready tuk tuk. Alors, attendez. Faut que je m'y retrouve. Hein. Euh, euh, J'espère que ça ne va pas faire de bêtises de ce que je vais faire. Hein? Go, 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 allez Alors, attendez, il va peut-être y avoir un petit couac, je ne sais pas. On va voir, mais ne bougez pas. Il <laughs> faut juste que je contrôle un truc. Euh, hop. Je suis pas sûre que ça parte. Pas du tout, ça part pas du tout. Alors si je fais ça. Pourquoi ça marche pas ah, Attendez, je vais. Allez, ça. on est parti pour ah, si la bon, découverte. Pa -pa 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 -pa. Allez, on, on fait... est pause. <laughs> Est-ce que vous voyez Ouais, là c'est bon, vous voyez. Ouais, prêt Mais allez, dépêche-toi, tu es en retard, ouais, j'avoue. <laughs> bon, là, il faut juste savoir si le son est bon. Je relance et on est parti. Parce que moi, j'entends pas le son, c'est ça qui est bizarre. Hmm. Allez. On teste. Allez, on est parti pour la découverte du sneak peek. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une illustration de Vaillonette. Vous entendez bien très, très sollicité lorsque Vaillonette a partagé l'image sur son Facebook. Je ne sais pas déjà si vous avez une petite idée. N'hésitez pas à me le dire <laughs> dans le chat. Je devrais lancer même un petit sondage. Non, je déconne. Allez, on y va parce que ça va être un peu trop difficile de caler tout ça. En même temps que la vidéo, mais euh, vous verrez bien. Mais euh, elle a été très sollicitée et franchement pour moi c'est la toile parfaite pour entrer dans le thème de l'événement euh, au Alors toujours pareil à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors comme vous le savez, hein, de... je ne sais plus si je voulais dire en même temps, mais euh, cet unboxing je l'ai déjà euh, fait pour YouTube. J'ai déjà tourné la vidéo pour YouTube, donc euh, dedans il n'y a pas le tout le kit et il n'y a pas la petite feuille. Euh, de présentation de la société Auraloa. Mais bon, la plupart des gens qui sont présents ici connaissent déjà Auraloa. Je n'ai pas besoin forcément de remontrer le tout le toolkit en question. Le principal, ça reste la toile, les diamants et la feuille de route. Donc, on regarde. Et pour les prochains euh, unboxings, je vais m'arranger à faire en sorte de tourner la vidéo YouTube et Twitch d'un seul coup. <laughs> je m'arrangerai après au montage, mais comme ça, vous verrez vraiment tout, euh, tout le, le global du, de l'unboxing. Allez, on découvre cette petite merveille. Je vais d'abord vous montrer le panel de couleurs et on va voir si ça peut déjà vous aiguiller un petit peu sur, sur le dessin. On est beaucoup dans des couleurs automnales sur celui-ci, très clairement. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Hop là Alors, est-ce que ça vous aide un petit peu à voir de quelle image il peut s'agir Suspense. Je vais sortir la feuille de route. J'étale la toile. Et vous êtes prêts Et voilà, il s'agit de oiseaux de magie. Franchement, cette toile, elle est juste magnifique. Alors je vous cache pas que j'ai longtemps hésité à la prendre pour l'événement. Et je me suis dit que de toute façon, celle-ci, c'est sûr. Il y a au moins une personne qui va la prendre pour l'événement. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre l'autre qui risque d'être un petit peu moins sollicitée, je pense, par rapport à, à des sorties qu'il peut y avoir sur le 11. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que pour les personnes qui l'attendaient, ça vous fera plaisir de l'avoir ici. <laughs> je vous montre la feuille de route. Donc, c'est bien une illustration de vaillunette. Elle s'appelle Oiseau de magie. Elle est juste trop, trop mignonne, cette toile. Cette... J'adore, j'adore, j'adore. Au niveau de la taille, c'est plus que raisonnable puisqu'on est sur un 49,3. Alors dit comme ça, 49,3 ça fait bizarre. Hein <laughs> 49,3 par 70 cm. Et en tout sur cette toile, on a 59 couleurs et 1, 2, 3, 4 ab. Donc on va regarder vite fait où il se situe. Mais voilà. Voilà, voilà. Vous étiez nombreux à l'attendre et j'espère que du coup vous serez contente qu'elle soit là. <laughs> Allez, euh, je vous montre le, la colle, que, ça, je suis que je ne l'avais pas fait la dernière fois, mais euh, aucun souci. Ça colle toujours très bien. Pensez toujours bien à chasser les bulles d'air, comme je le précise à chaque fois. C'est important qu'il n'y ait pas d'air entre votre plastique et la toile. Euh, je sors les AB en cadre. Et en plus, pour mon plus grand bonheur, il n'y en a pas beaucoup. <laughs> enfin, bien assez pour moi, en tout cas, disons. Et, et ils sont vachement bien placés. On a deux oranges, un foncé, enfin, un peu plus peps que l'autre, un jaune poussin et un blanc. Je vous montre vite fait où ils se situent sur la toile pour ceux que ça pourrait intéresser de savoir alors déjà le blanc c'est au niveau de des traits blancs qu'on voit sur la toile hein. c'est assez vite fait repérable on en a ici là sur le, le tourbillon on en a un petit peu en bas là je crois que c'est le bas de, de sa robe euh, et on en a un petit peu sur les champignons là vous savez les champignons euh, rouges avec les petits points euh, blancs les petits points blancs en fait ils sont en AB au niveau du jaune poussin ils sont aussi au niveau du tourbillon pour apporter le, le petit halo de lumière qu'il peut y avoir. Je pense qu'elle lance un sort en fait parce qu'elle a sa baguette ici. Et vous avez des petits... Alors je ne sais pas si c'est des lucioles ou si c'est des petits bouts de magie qui s'en vont. Euh, mais vous avez des petits points ici. Hop, et du coup, il y a du diamant AB aussi dedans, là-haut également. Voilà, pour le jaune. Et concernant les deux oranges, parce qu'ils sont quasiment au même endroit. Ils sont essentiellement sur sa tenue. Donc là, vous avez par exemple toutes les lignes orange foncées que vous voyez, euh, c'est le AB foncé. Et en fait, juste à côté, pratiquement, ouais, sur le bord, vous avez l'autre orange. Vous avez quelques points ici, ici, un petit peu plus ici, ici, un petit peu là-haut également. Là aussi, vous avez les traits orange où il y a du diamant AB. Et c'est essentiellement là. Il y en a un petit peu dans la feuille également là. Mais il me semble que c'était tout. J'en euh, vois là aussi là-haut. On voit que je n'en avais pas vu au moment de l'unboxing YouTube. <laughs> et quelques petits aussi dans les, dans les points de magie ou, des, ou les lucioles. Je ne sais pas, comme vous voulez. <laughs> bon, voilà pour ça. Donc là, j'ai fait le tour au niveau euh, de la présentation de la toile. Alors, je fais assez vite. Bah, si vous voulez voir peut-être un unboxing plus complet, encore qu'il n'est pas forcément plus complet celui qui est sur YouTube, à part la présentation euh, du toolkit et de la, et de la feuille de, de présentation Auralewa. Petite, par contre, nouveauté qu'il y a. Je ne l'avais pas avec mon autre toile, mais maintenant dans les toolkits, vous avez aussi cette petite carte à gratter. Le retour des jeux, donc c'est Aloha Win-Win. Vous grattez et vous pouvez gagner des cadeaux. Donc par contre, je ne sais pas. C'est marqué euh, gratte-moi et découvre si tu gagnes une surprise au Rallois. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a à gagner. Et si vous gagnez, vous devez contacter euh, par mail oralois moi, évidemment, j'ai perdu. <laughs> Et puis, je vous montre la plaque que j'ai eue cette fois-ci avec le toolkit. J'ai eu la tortue. Voilà. Bon, Merci. allez, on retourne sur le live Twitch. Et si vous avez des questions, surtout, bah, n'hésitez pas. Je peux. Euh... Je garde la toile pas très loin de moi. Donc, si vous avez des questions, je peux éventuellement euh, répondre à vos questions. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, c'est un petit format que je vais conserver. pas besoin euh... oh. d'accéder à vos données TikTok. Il me dit quoi, lui Déclenche Siri. J'adore, c'est super sympa en avant, en première, de cette façon. Ouais. Alors là, c'est vrai, du coup, j'ai dû faire deux vidéos, parce que vu que la semaine dernière, ça avait été un petit peu chaotique, la façon dont j'étais installée pour présenter le sneak peek. Donc, euh, je ferai toujours sous ce format-là. Alors, j'espère que ça vous convient. Euh, là, j'ai tourné celui de la semaine prochaine. Et j'ai essayé de faire YouTube et Twitch en même temps. Donc, la vidéo, j'espère que au montage, je vais réussir <laughs> à en sortir quelque chose de sympa. J'ai eu cette carte, mais rien gagné. Ah, off, ouais. Et t'as eu la tortue aussi. Je ne sais pas combien il y a de petites plaques à plastique à, à collectionner au final. Euh... Allez, je me retelle, ouais. Elle est franchement canon celle-ci. Puis, ouais, il n'y a pas trop de AB, du coup. Moi, je suis trop, trop, trop contente, quoi. <laughs> Faut que mon mari accepte, c'est toujours ça le plus dur. J'adore, magnifique. Pauline, n'oublie pas le loto. Ouais, je vais l'arrêter parce que du coup, je vais lancer un, un petit sondage après pour savoir du coup euh, bah, ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va arrêter la prédiction. Je vais aller tirer euh, au sort un petit numéro. Alors, attendez, hop là, hop là, hop là. Attends, on va aller voir ça sur internet. Je ne sais plus sur quoi je vais. Je crois que je tire un peu au sort à chaque fois. Euh, tirage au sort. Euh, Chiffre. Voilà. Euh, tirer un nombre aléatoire, mais c'est bien ça qu'on veut. Accepter entre 1 et 10. Est-ce que vous voyez bien l'écran c'est un peu trop lumineux à chaque fois, donc c'est ça qui est chiant. Vous êtes prêts Il va apparaître en bas, normalement, là. Hop. Je l'ai à l'envers pour moi. <laughs> Mais du coup, c'est le numéro 6. Bravo, bravo. Qui avions-nous sur le numéro 6 On avait deux personnes. Choisir la réponse. Je serais curieuse de voir comment ça va se répartir. Du coup, hop, terminer la prédiction. Terminé. Voyons, voyons un petit peu le résultat. Un récapitulatif. Donc, il y avait deux utilisateurs qui se partagent. 2662 cookies. Donc, bah, Delphine qui remporte 1452 cookies alors qu'elle n'en avait dépensé que 60. Et Cytophasme qui gagne 1200 cookies pour 50 parier Bravo à vous deux! Voilà, on va lancer maintenant le petit sondage Mes pauvres cookies. <laughs> j'ai 1000 6 à l'envers. <laughs> ouais, c'est le problème du, du loto, c'est qu'il y, y a moins de chances de gagner quand une chance sur 10 comme ça. Bon, allez, on va faire un petit sondage. Coucou Marlène, comment tu vas Mes pauvres cookies. <laughs> Alors, un petit sondage. Donc, ce soir, en gros, euh, je vous propose. Que fait-on Alors, que fait-on Comment j'écris moi N'importe quoi. Que fait-on Je vous propose. Attendez, je vous montre avant quand même mes propositions. Euh... Ça va, ça va. Merci Marlène. Merci. Comment je fais pour les avoir Mais Ils se mettent tout seuls normalement. Ils vont s'ajouter. as dû avoir un ton nombre de cookies qui a dû augmenter. <laughs> C'est clair le jackpot. <laughs> Aïe aïe aïe, alors, je pousse mon téléphone. Donc ce que je vous propose du Pixel Hobby, on continue euh, la plaque, euh, je ne l'ai pas terminée, hein, la plaque de la fille aux cheveux bleus. Je vous montre où j'en suis. Je suis là. Est-ce que vous allez bien voir avec tout mon bazar sur mon bureau là. Donc il m'en reste un tout petit peu. Donc là c'est pareil, on ferait une petite prédiction sur à quelle heure je vais terminer la plaque par exemple. Sinon, je vous propose du point de croix. Alors du point de croix, euh, vous n'avez pas encore vu l'unboxing sur YouTube, mais euh, j'ai une toile stitch en 16 CT estampée qui est arrivée. Donc du coup, du point de croix. Ou alors, je vous propose qu'on fasse ensemble. Un hein, des petits pulls. Ça, vous avez peut-être vu l'unboxing pour ceux qui me suivent sur YouTube. Euh, les petits pulls du calendrier de l'Avent euh, Halloween de chez Every Pulse. Donc c'est des 150 pièces, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Et on peut en faire un ensemble. Je vais vous mettre un petit sondage. Et puis, et puis, et puis, bah... On va voir ce qui ressort. Aucun. <laughs> Merci Domi. <laughs> Non, pas d'épée ce soir, j'ai franchement pas la tête à ça, clairement. Euh, alors, que fait-on En plus, j'ai rien préparé, enfin, toutes mes toiles sont là-haut. Euh. <laughs> rien ne va. Alors, Pixel Hobby, Pearls, ou. Oh, oh, ici, c'est bien le point de croix de Stitch, j'ai un, 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 gros, un gros doute. Point de croix de Stitch. Euh, je mets le vote pendant deux minutes. Hein? et c'est parti. Bon, le sondage est lancé. N'hésitez pas à faire entendre votre voix. <laughs> que je sache, je veux revoir les images des pearls. Si tu veux, je pourrais te les repasser, mais elles sont juste trop, trop magnifiques. J'en ai déjà fait un. <laughs> oui, merci pour ton aide, Domi. C'est clair avec ça. On va aller loin. Bon, moi, je fais rien. On va juste discuter ensemble. <laughs> Non, je ne sais pas faire de tricot. C'est <laughs> euh, bien un loisir. Ma mère a essayé de m'apprendre et je suis moi des trucs... Enfin, j'aimerais bien faire du crochet. Mais dès qu'il y a des grandes aiguilles comme ça, je suis une quiche. Il faut vraiment que... après c'est avec la pratique. Je vais t'arracher les, hein. <laughs> les yeux, tête de cul. Je vais t'arracher les yeux, tête de cul. Coucou Isabelle, comment tu vas ouais, Tu as dû les avoir, les cookies, ma petite... Oh, alors, il faut que tu reviennes et que tu ressortes. Des fois, c'est aussi ça. Mais il paraît que c'est facile quand je vois les nénettes à zivon là tac tac tac. Ah le punch needle. Ah, j'aurais pu rajouter ça. On aurait pu faire le punch needle, j'avais complètement zappé ça. Bon, à prochaine fois. Ouais, il fait toujours chaud. Moi, j'ai hâte de à la semaine prochaine là, les températures elles vont tomber, ça va nous faire un bien fou. Je ne supporte pas d'avoir chaud comme ça. Tic tac tic tac tic tac. Qu'est-ce qu'il emporte pour l'instant Le puzzle Ah ouais, j'aurais pas misé là-dessus. Hein. Très clairement. Moi, ça me va, mais j'aurais pas misé là-dessus. <laughs> Le point de croix est loin derrière. Vous êtes euh 18, vous êtes 20. On est 36. Il manque 16 personnes qui n'ont pas voté. Laissez-nous savoir ce que vous préférez. Euh, j'ai pensé à Domi et son tricot, c'est presque pareil. Mmh. C'est vrai. Bon, bah, c'est le pulse qui l'emporte. Hein. Ah, bah, pour l'activité qu'on fait ce soir, Isabelle, t'avais soit le pulse, pixel hobby ou les points de croix, mais euh, le pulse l'emporte haut la main. <laughs> J'aurais pas pensé. Ouais, bah, après, moi, je fais tout le temps les mêmes quasiment. Mais euh, j'ai. Alors, sache, Marlène, que j'ai songé. Je... Est-ce que tu es sous le Discord j'ai songé à faire un salon bubble tea quand même sur le Discord <laughs> et comme ça chacun partage ses petites recettes et ça pourrait être pas mal. Tu vas me donner envie de ressortir mes puzzles. <laughs> bon bah du coup on y va pour le puzzle. Je vous Est-ce que vous voulez revoir les illustrations et on choisit à la rigueur l'illustration que vous voulez parce que alors, moi je m'en fiche de de les faire dans l'ordre du calendrier de l'avant. Parce que pour rappel, du coup, ça c'est le petit calendrier de l'avant euh, rêverie. Donc dedans, il y a 13 pulses, 13 mini pulls de 150 pièces. Il va manquer des pièces, mais non. J'ai pas eu la notif du sondage. Ah, crotte Je ne sais même plus si je suis sur Discord. Oh je sais pas, ma... Marie. Est-ce que si je fais... Je crois que si je fais ça, Discord, ça repartage le lien, normalement. Voilà, <laughs> si jamais tu veux vérifier. Ben alors, euh, l'artiste, c'est euh, Maria, Maria, Maria. Voilà, hein son nom, j'ai toujours du mal à le prononcer. Est-ce qu'il est quelque part là que je, je... Que je dise la bêtise Non, il doit être au dos, comme par hasard. Attendez. Maria Tchetka. Reva, je pense que c'est comme ça qu'on dit Tchetka Reva. C'est une artiste qui travaille avec Oraloa. maintenant. Et il y a certaines de ses illustrations. Euh... Bah, pas pas celle-là, parce que je pense que là, elle les a dessinées exprès pour Evry, comme elle dessine exprès des dessins pour Oraloa. Mais comment euh, ça se présente à l'intérieur? Et les pièces, j'ai été surprise parce que pendant l'unboxing, je n'ai pas pensé à vous montrer euh, les pièces, mais elles sont microscopiques. un tirage sur le truc du loto. Ouais, mais le problème c'est qu'il y en a 13. Alors attendez, sachant que j'en ai déjà fait un. Euh, je crois que j'ai fait le numéro 1. Non, c'est pas celui-là que j'ai fait. J'ai fait lequel J'ai fait celui-ci déjà. Celui-ci, je l'ai déjà fait, par exemple. C'est pas très net mon image là. Il va falloir que j'aille revoir les paramètres après. Parce que si vous ne voyez rien de ce que je fais. Donc celui-ci, je ne vais pas le refaire. Et après, il en reste du coup 12. Je vais en sortir plusieurs et on va voter. On va faire ça. On va pas faire... Euh... Celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci. Oh, oh, bah... <laughs> je vais tous vous les sortir en fait. Oh celle-ci. Oh là là, celle-ci, elle est magnifique. Euh... C'est compliqué. Elles sont vraiment toutes belles. Oh là 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 là. là. Oh. J'allais dire, je vais éliminer celle que j'aime le moins, mais franchement. Euh... C'est une torture. Euh... Mmh, mmh, mmh. Là, là, là. Je vais rester vraiment sur celle que je kiffe à fond. Du coup, allez, on... il y en a 6, On va dire là-dessus. Va... Et on va faire un petit sondage sur les six. Euh... Oh mais j'adore. Tu saoules Je saoule quoi Ça se trouve encore cette petite. Ah non, non, non c <laughs> Là, vous pouvez plus craquer, les filles, là-dessus. Il est sold out depuis. Pff. Il était tellement attendu, ce calendrier d'avant, que vous pouvez plus craquer. Ou alors, regardez sur Vinted, peut-être. Euh, mais non, sinon, tu les trouveras plus, ma petite Céline. Donc là, je, je, je vous tente sans vous tenter. Je suis désolée, mais vous pouvez pas l'avoir. <laughs> il, est, il est indisponible partout. Sur le site Rébris, chez Trevel, ils l'ont plus non plus. <laughs> Vimaune. Pas... <laughs> tu parles quelle langue, Céline Pourquoi tu nous montres un truc pareil <laughs> Ah, bah, sur Vinted, oui, par contre, les gens risquent de se rincer les mains avec. Ouais, très clairement. Euh, je n'y étais pas. J'ai pas tout lu, forcément, mais il y a des trucs à boire. Lol, le bubble tea. Si ma fille voit ça au score. Ah, bah, ouais, mais le bubble tea, c'est trop bon. Euh, alors attendez, il va manquer des pièces. J'ai pas eu l'intuition. J'avais vu. Oh, non mais j'aime trop ces dessins. Mais ouais, c'est trop beau ce que fait. Il faut que j'arrête. T'es live. <laughs> ok, j'avais pas vu le début. Alors il y a six. Euh... Là il y en a six. Attendez, je vous les mets bien en face. Et on va voter. Aidez-moi parce que franchement j'arrive pas à me décider. Euh, alors on va faire comme ça. Hmm. Parce que putain c'est à l'envers en plus pour moi. Euh... Déjà là, comme ça, est-ce qu'il y en a un qui vous botte plus que d'autres J'arrive pas à voter, je t'envoie une capture d'écran. Bah attends, j'ai pas lancé le vote, Delphine. Le que c'est que je fais quoi Alors attendez, parce qu'il y a des numéros. Oh, non, mais non, si je fais 1, un... ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ok pour vous et vous votez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, je vais lancer un, un sondage. <laughs> Nouveau sondage. Quel pulse Après, ça se trouve, on pourra en faire plusieurs, hein, parce que c'est assez rapide quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, oh, je ne peux pas en mettre plus de 5, c'est pas possible. Ils sont chiants. Pff, bon, j'enlève celui-là, parce que je l'aime un peu moins. Ok, donc là, ça fait. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord, je laisse 2 minutes. C'est parti. Le sondage, il est lancé. Pour rappel, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La relou. Celui qui fait un peu Halloween, mais ils font tous Halloween. <laughs> Les deux sorcières sorties chez Auraloa sont aussi dispo... Oh ouais, en pulse de chez Evrieux. C'est pour ça que je n'ai pas appris l'image sur. Euh, sur... Euh... Ah, sur Auralois, parce que je pense que je la prendrai en pulse au final, cette image. Regarde, je suis bloqué sur le loto, même pas su choisir l'activité. Est-ce que t'es sortie et t'es revenue, Delphine C'est que c'est bizarre que tu restes... Revenez, sortez. Sinon, revenez, sortez. Je sais pas comment ça se fait que vous voyez pas le sondage. Après, je sais que si vous êtes sur téléphone, parfois ça marche pas très bien. Une prédiction, si Pauline fait les 5 à moi. Ça pourrait, ça pourrait. Je sais plus combien de temps j'avais mis pour, euh, pour en faire un, mais c'était pas, euh, pas très très long. Enfin, je l'ai fait pas en 10 minutes non plus. Hein. Oh, comment ça se fait que vous voyez pas le sondage Là, il n'y a pas d'histoire de cookies en haut du chat normalement. Bah, dites ici, sinon, les filles, ceux qui voient pas le sondage, mettez le numéro euh, dans le chat 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sortie revenue et c'est bon. Ouais voilà. Revenez et sortez les filles. Sinon. Il reste un petit peu de temps. Bon, le 5 l'emporte largement. <laughs> c'est pas le plus simple. C'est pas celui qui va être le plus rapide. Et après, on va faire une petite prédiction sur le temps que je vais mettre à le faire. Si ça vous botte. Bon, le 5, de toute façon, clairement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tic tac tic tac tic tac. Ouais, ça dépend des téléphones Marie. Mmh. Bon bah c'est le 5. Allez. Allons-y. Et je vais lancer une prédiction sur le temps. Alors sachant, pour vous donner une indication, pour ceux qui ne savent pas. Alors je vous montre la taille des pièces. Est-ce que j'ai un. Est-ce que j'ai un grand pulse pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille des pièces Attendez. Bouge, bougez pas, je chope un pols rêverie qui est juste derrière. Hop là. que vous puissiez voir la différence. Là, j'ai un pols rêverie normal. Donc, avec une pièce normale. Hop. Et. Ça, c'est les pièces des mini pals. Voilà, voilà. Pour vous donner une petite idée. Elles sont microscopiques. Ah non. Non, quand même pas. Quand même pas, quand même pas. Sachant que je mets. Pour faire un mille pièces. Un mille pièces, je peux le faire en une après-midi. S'il n'est pas trop complexe. Donc là, 150 pièces. Attention, c'est des petites pièces. Donc c'est moins facile parce que du coup, on voit moins. Euh, on voit moins les détails. En plus, je n'ai pas une super luminosité. Regardez-moi tout ça. C'est trop mignon <laughs> Non, peut-être pas 10 minutes quand même. Ah oh, ah oh. J'ai une pièce qui accroche là. Ah, voilà. Sachant qu'il y a le tri, il faut chercher les bords. Ouais, elles sont minuscules. Quand j'ai vu, j'ai... Ah ouais, quand même <laughs> Surtout que là, j'ai... Enfin, il y a la caméra dessus, mais j'ai acheté le calendrier de la vente de Noël de chez Trevel. Euh, c'est des 100... C'est des 100 pièces ou des 150 pièces Et les pièces sont un petit peu plus grandes. J'ai vrai... jamais vraiment... Enfin, c'est la première fois que je vois des pearls avec des aussi petites pièces. Alors, on va gagner du temps pour la prédiction. Déjà, je retourne toutes les pièces, si ça vous va. Est-ce que c'est net pour vous Est-ce que vous voyez bien Ou est-ce que vous voulez que j'essaie de faire un, une petite mise au point Hop. Il me faudrait une lampe supplémentaire. <laughs> ça, clairement, ça manque un peu de luminosité. Le petit modèle qui est trop mignon. Donc la petite sorcière. Franchement, si, pff, si, 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 si ces images peuvent sortir en DP. Après, je sais pas si vraiment Rêverie a l'exclusivité sur les images. Mais pour, pour, pour. Franchement. C'est trop canon. Trop, trop, trop canon. Alors, je vous avoue que j'ai du mal à me souvenir combien de temps j'ai mis à faire, euh, faire l'autre. Parce que bon, j'ai été pas mal dérangée. Bon, là, sachant que je lis le chat, on papote, donc il y a ça à prendre aussi en compte dans les critères de la réalisation du Pulse. Hop, 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 je vais essayer de rester dans le champ et de ne pas sortir. Hop, j'enlève les pièces qui étaient collées, on ne va pas tricher. Là, on a tout qui est à l'endroit. Alors, on va lancer une prédiction. Alors. 10 euh, minutes. Pour <laughs> sortir et revenir, tu vas mettre un nom, c'est bon, ça j'avais lu. Attendez. Alors, euh, tuk, 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 je relis les commentaires. Oui, elles sont minuscules. Si c'est très vite fait, en 10-15 minutes max. On euh, a beau faire avec des, des mini-pièces, je surkiffe. Pareil, la première fois que j'ai reçu, j'ai été surprise des pièces pour enfants. Tu l'as aussi, Delphine, celui-ci Pauline souffle pour envoyer de l'air chez moi, il fait trop chaud. <laughs> Bah, fais pareil, Florence. Alors, j'en peux plus. J'ai en train de. Je, je, pourtant, j'ai la fenêtre ouverte et tout, mais oh, il fait trop chaud. Candrier de l'avant en pleine calicule, c'est pas commun. <laughs> alors là, c'est le calendrier de l'avant Halloween. <laughs> Ça marche toujours pas. Ah oh, mince. T'es sur téléphone, Delphine Bon, de toute façon, là, il est parti le sondage. <laughs> Coucou Clem, comment tu vas Bon, alors, je lance la prédiction. Mais euh, je sais même pas jusqu'à où aller. Parce que. Je vais pas mettre 10 minutes. Hein. Franchement, je pense qu'il va m'en falloir plus. Combien Temps de réalisation. On est limité en caractère. Temps de réalisation du Pulse 150 pièces. Ah, j'ai trop de caractères, Juste réalisation du Pulse. Euh, on va mettre entre 20. 20-25 minutes. 26, 26 30 minutes, 31, 31, non je vais jouer en deux, je vais être 10 minutes en 10 minutes quand même parce que, on va mettre 31, 40, 40 parce que vu qu'on papote, on papote, on papote et tout, hein. 50 minutes. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis. 51 minutes. Une heure. Ou plus d'une heure. On va mettre ça comme ça. Allez Prédiction lancée. Ah attendez, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Annuler. Parce qu'on va pas la dernière je... ouais, 30 secondes, c'est peut-être... On va mettre 2 minutes de prédiction pour pas non plus démarrer trop tard. Je vais commencer à chercher les bordures en attendant. Vous êtes prêts Attention, c'est parti. Prédiction, lancez. <laughs> ouais, chaud, 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 c'est clair. En attendant, je commence à chercher les petits, les bordures. Ça va me faire gagner un petit peu de temps. Petit tri, petit tri. C'est clair qu'il fait trop trop chaud vivement la semaine prochaine. Je sais pas si c'est partout pareil d'ailleurs. Si ça se calme. Hop, ceux-là sont collés. On va les décoller. Pas de triche. Toc -toc. Mon téléphone va voler. <laughs> Mais non, Delphine, t'énerve pas. C'est un petit puzzle de 150 pièces du calendrier de l'Avent Rêverie pour Halloween. Une petite sorcière comme ça. Non, non, Rêverie, cela part trop vite à chaque fois. Rupture. Ouais, c'est clair que ça va super vite. Et coucou Lilou, comment tu vas Vous arrivez à avoir la prédiction, c'est bon Ouais, J'ai l'impression que oui. Ah, il y a eu pas mal de cookies de misée là. <laughs> Chaudement, mais ça va, dit <laughs> Bon, je continue de chercher mes bords en attendant. Au moins, si je peux avoir ça de fait avant la fin de la prédiction. Après, on va regarder l'heure. Et on va voir combien de temps. Faudrait que j'arrive à lancer un timer sur, sur Twitch, mais je ne sais pas faire. Toujours pas. Ah oh non, j'ai des bébêtes qui rentrent. De toute façon, je vais fermer le volet. Chaudement aussi, mais c'est toujours moins que les 42. degrés tout. En passant, les miniatures, ça avance ou toujours perplexe. Alors j'en ai avancé une. Regardez. J'ai fait ça. C'est un petit bout du... Café américain, de la miniature de chez Action. Donc ça, je, quand je dis, quand j'ai en, enfin, vraiment que je ça motivée, parce que c'est quand même pas facile, et ça demande beaucoup de concentration, et j'ai toujours ma fille qui vient me voir en me disant « Maman, je peux en faire aussi <laughs> ?» Je peux pas prédire. Bah si, t'as prédit. T'as voté 3, Phoebe. Moi, je vois le 3 à côté de toi. Ici, il fait super chaud. On a passé l'après-midi dans la piscine. Oh putain, t'as de la chance, Marlène. Oh, c'est chou. Ouais, c'est tout mignon. <laughs> Miniature, t'as vraiment pas la patience. <laughs> bah, moi, je t'avoue, je sais pas. On verra, mais est-ce que j'irai jusqu'au bout Ça, c'est une autre histoire. Franchement, je ne sais pas. Hop, hop, hop. Là, normalement, j'ai tous mes bords. Je dis bien normalement. On va essayer de ne pas faire tomber de pièces. Hop, c'est trié. On va faire ça. On va laisser la place pour le pulse ici, au milieu. Euh, je fais de la bibliothèque miniature de chez Action. Ah, bah, je l'ai aussi. Je l'ai aussi. Enfin, la librairie. La librairie Oui, une bibliothèque. Enfin, Celle-là où il y a beaucoup de livres, quoi. <laughs> bah, j'aimerais bien, Marlène. J'aimerais bien. <laughs> c'est pas trop prise de tête De quoi, Stéphanie La miniature ou le, les, les mini pulls comme ça <laughs> J'ai prédit, mais je perds toujours. Euh, J'ai fait la bibliothèque miniature de chez Action. Ça, j'avais vu. Ah, moi, c'est scène d'action. J'en vois tout voler. Scène d'action, c'est quoi C'est comme le point de croix. <laughs> je vais finir par craquer pour les Pulse à force de te voir. <laughs> bah, t'as d'habitude. T'en as déjà fait, Lilou enfin, je, je suppose que t'en as déjà fait, mais est-ce que t'en as déjà fait des, des plus de 1000 pièces ou... C'est sympa le Pulse aussi. Après, il faut de la place pour le pulse. Où il faut avoir une planche ou un système pour le ranger si tu ne fais pas tout d'un coup. Euh... C'est ça qui est un petit peu ch plus chiant avec le pulse. Il me met que j'ai gagné le loto, mais je vois rien. <laughs> bah C'est trop bizarre, Delphine. Franchement, je, je, je ne saurais pas t'aider. Je pense que c'est le fait que tu sois sur téléphone peut-être qui ne t'aide pas. Par chez nous, Pauline, j'ai trouvé la serre aussi. Bah Ça y est, euh, on m'a envoyé la serre. Céline m'a trouvé la serre et et la librairie. Du coup, j'ai les trois maintenant de, de chez Action. Et plus, du coup, j'ai eu un partenariat avec un site qui est spécialisé dans les, dans les miniatures. Du coup, là, j'ai quatre miniatures à faire. Vu le temps que ça prend, je vais t'occuper un bon moment, je pense. Il faudrait me remettre au... Il faudrait je me remette au Pulse. J'ai le porte-pulse et tout. Ah bah en plus, c'est pratique ça. Je parle de tes petites constructions d'Action. Ah oui <laughs> Euh, oui, le plus gros 2000, mais j'ai tout vendu sauf mon tapis pour enrouler. Ah bah alors, t'es une habituée des pulses Lilou. Relance-toi. Oui, j'en peux plus. Bon allez, il est 27. On va commencer à 30, histoire de faire un compte rond. <laughs> euh, les prédictions, c'est fini. Je regarde un petit peu. Euh, la plupart. Euh, la majorité a voté entre 41 et 50 minutes. Il y a quand même deux personnes qui ont voté plus d'une heure. Euh, en tout il y a combien de cookies c'est ça que je voulais voir récapitulatif ah je peux pas voir combien moi bah, aussi je dois pouvoir le voir combien il y a de cookies en tout là de parier non tu veux pas me dire il y a 3000 cookies dans la cagnotte ouais 3000 3004 cookies à gagner donc ceux qui les deux petites personnes là bah les deux qui ont voté 20-30 minutes et les deux qui ont voté plus d'une heure ça peut être le jackpot. Hein. <laughs> euh, hop, on vérifie le chrono. Dès qu'il est 30, je démarre. Bon, je sors et je reviens. <laughs> ok, Delphine. Euh, j'ai pas mis beaucoup, j'ai plus rien à cause de... Ah merde, bah ouais, c'est le problème ça. Trop de prédits. Va falloir regagner des cookies. <laughs> J'attends qu'il soit à 30 pour qu'on parte sur un compte rond. Et, et on y va après. Tic tac tic tac. Bon vous faites quoi du coup ce soir Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites pendant ce petit live Je vérifie en attendant que je n'ai pas oublié de bord. Bon, même si vu la taille du ce c'est pas bien grave si j'en oublie une. Hein, très clairement. Beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu. Comme le premier que j'ai fait, du coup c'était un peu... J'attends le livreur. <laughs> Qu'as-tu commandé Lilou? Coloriage mystère, point de croix. Point de croix des lapins. D'abord, du coup, j'ai commandé les pastèques. Donc, j'attends les pastèques pour les lapins. DP, ma bande de septembre. Ah, bien, 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 Céline, ça. DP, comme toujours, à fond d'épée. <laughs> point de croix. Du crochet. Ah, tu vas faire du point de croix après, après tes livraisons. <laughs> du crochet, j'avance la couverture. Bien, Phoebe. Ce soir, c'est DP, colo. DP de chez 3D, RRL. Art réel. Moi, du pixel. DP diamants spéciaux, comme chaque live vous replay. <laughs> D'épée, ma petite étoile de mer, bien sûr, Delphine. DP Cara Art. Ça y est, j'ai fini de manger. <laughs> euh, j'ai fait ma case du sale Blackwork. C'est quoi ça pas bah, tu vas mettre à la photo sur Discord Yes Rien pour Domi. D'épée, Rond Stitch. Un porte-bébé Un porte-bébé ah, je croyais que t'attendais un livreur de bouffe, moi, Lilou. <laughs> je croyais que tu t'étais fait commander à manger. Genre t'attendais un livreur de pizza, quoi. Mais il passe encore le livreur. Il est 30. Allez, je démarre. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On va pas. Après, sinon on va dire que je triche. Un hein, demi. <laughs> hop, hop, hop. Bon, le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Hein. On est d'accord. Hein. Je fais le puzzle à ma vitesse habituelle. Et en plus, je dois lire les commentaires. On est d'accord avec ça. Je vais aller chercher ma toile lapin. Ah yes Tu fais laquelle toi déjà, euh, Lucie T'avais choisi quel motif Ah non, Amazon, moi je fais mon lit. Après, c'est Pixel Hobby. Ah bah ça m'étonne, Marlène, dis donc <laughs> m'étonne ça m'étonne que tu fasses du pixel tu travailles sur lequel en ce moment des fois je vois pas trop ce que je fais là j'ai un gros manque de luminosité c'est pas évident tadam, tadam. Euh... le restaurant de jour ok 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 on le sait tous que je triche <laughs> Je fais le lapin de Noël. Ah yes! Bonsoir Chloé, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? On se fait un petit pulse, tranquillou. Pas si évident que ça. Hop. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai chaud. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud. Euh, je crois qu'il manque un bord déjà là. Ça commence. Bravo Pauline. J'espère qu'il ne manque pas des pièces. Hein. Bon, on va voir. Hop. Oui. <laughs> Quel intérêt, Dobby, j'aurais de tricher. Quel intérêt. Moi, je gagne pas de cookies. Hein. <laughs> je suis sur un tout petit dp 15 par 15. Oh, j'aime bien les tout petits dp comme ça aussi. C'est quoi le motif Quand c'est tout mignon des fois comme ça, là, ça fait du bien de... Des petits modèles. Pas prise de tête. Tu veux pas aller là, toi. C'est bizarre ça quand même. <laughs> La fille qui va absolument assister. Mais si, tu vas aller là comme pièce. Euh... Je garde mon modèle pas trop loin non plus, ça peut m'aider. Là, ok, ça. La grosse étoile, elle est par là. Là, je pense que c'est le bas de son balai. Donc ça, ça va là. Moi, ouais, je parle euh, toute seule aussi. Hein. <laughs> je fais toujours le kit cocktail. T'as bientôt fini T'es sur laquelle plaque Un gnome avec un tournesol. Oh, trop mignon Merci pour le follow, Saïd. Comment tu vas? Un gnome avec un tournesol. Ah, c'est une petite série avec les gnomes, c'est mignon ça. Je vous quitte 15 minutes, je reviens sur ma tablette. Je vais m'allonger. Il n'y a pas de souci, une euh, Si tu insistes sur une pièce pendant 5 minutes à chaque fois, après bah, 10 sera bon. <laughs> non, non, t'inquiète pas. <laughs> enfin, t'inquiète pas. J'évite de rester coincée euh, trop longtemps sur une même pièce, quand même. <laughs> Je suis têtue, mais quand même. Hop. Il mmh. 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 y a des choses bizarres. Mdr je vais je viens de tilter que c'est un calendrier Halloween je me disais il fait bien Halloween pour un calendrier de l'avant mais c'est un calendrier de l'avant Halloween cette chaleur me fait fondre les neurones <laughs> en même temps <laughs> c'est bien un calendrier de l'avant mais sur le thème Halloween mais ça va pas ensemble ça Pauline mais pas du tout Alors, n'importe quoi dans l'autre sens peut-être ouais c'est mieux voilà c'est rêverie qui a sorti ça, il est trop beau ce calendrier franchement. Trop trop beau. n'est pas si simple là. Hein? Oh là 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 là. Et sous mes coins déjà. Là. Là on a une étoile. L'étoile, celle-ci, elle doit aller en bas. Donc ça ici. Et sous mes autres coins. Coin, coin. Ici, celui-ci sûrement. Là j'ai mon autre coin. Qui doit aller, je pense, par ici. Oh, ça ça peut aller avec ça. Yes, pas du tout. <laughs> euh, sur la troisième plaque. Ah, oh bah, t'as bientôt. T'avances bien, du coup. Ça y est, j'ai enfin réussi. Mais pas eu le temps de voter. Bah, ouais. Euh, les sachets et les diamants sont super poussiéreux. Je suis dégoûtée. Ah, oh, c'est chiant, ça. Rincelet, sinon, mais. Il existe des calendriers Pulse-Noël Oui. Oui, oui. Attends, des calendriers Pulse-Noël, des calendriers de l'avant <tousse> Merci Delphine de penser à mon hydratation. Je vais m'hydrater. T'as vu des calendriers de l'avant chez Action Pulse ou autre chose Au chocolat. <laughs> Oh, le dragon il veut pas se lancer. Ça s'est cassé tout seul. Je vais le faire. <laughs> Je vais le faire moi-même du coup le, le son. <laughs> ça s'est cassé tout seul. Pourtant ça ça va par là. Là j'ai une toute petite étoile. Peut-être plus sur le bas ici. Mais pourquoi les sons ils se lancent plus là pourtant j'ai bien le truc d'activer vous les entendez bien les sons d'ailleurs marche pas bah ouais attendez je regarde si j'ai pas fermé la page malencontreusement ou je vais relancer le bah ouais pourtant ça fonctionne ah, attendez il a peut-être ah merde j'ai fermé alors que ça marchait attendez je relance peut-être que c'est peut-être parce que j'ai pas reconnecté le truc mais bon ça marchait pour le coup euh... accélérer de zone de notification. Tu n'es pas connecté. Ah, ah oh bah génial, il y a un feu d'artifice. Je ne sais pas si vous allez entendre les pétards, mais... Autorisé. Vous entendez Que ça pétarade, après c'est loin. Donc je ne sais pas si ça va passer dans le micro. Hein. On est samedi, je crois que c'est pour les mariages, les gens, ils sont très... Euh, très feu d'artifice ici. Pas des gros gros feux d'artifice non plus. Hop, j'ai relancé pour les sons. Est-ce que ça va fonctionner? Test, test. Yeux. Je vais te rasser ah. les yeux, tête du cul. <laughs> vous, entendez, vous entendez les péters? Bon, ça n'a pas l'air de durer bien longtemps. donc euh, Mon mari est mort de rire, il a entendu ton pétou et toi qui dis mort. <laughs> C'est pas moi. Ça s'est cassé tout seul. C'est promis ah bon oui. Fais voir. Ça, ça s'est cassé tout seul. Mmh. Ah oui. Ça m'étonnerait. Ah oui. <laughs> C'est pas moi. C'est pas toi. C'est le dragon. <laughs> Petite puce. Elle est trop mignonne. Tu pousses le bouchon pas... un peu trop loin, Maurice. <laughs> tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Je sais pas ce qu'il est devenu, le garçon qui a fait cette pub. <laughs> A-t-il continué ben, Je galère, hein. Je dirais pas comme ça, mais c'est galère. Hein je sais pas si ça va ensemble, ça. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Putain, j'ai chaud. Mais euh, je pense qu'il me manque des bords aussi, là. Hein ouais, voilà. Qu'est-ce que je cherchais elle s'était cachée, la coquine. Ça, du coup, du coup, du coup, du coup. Merci, Migrid, pour l'hydratation. Elle <laughs> a été traumatisée à vie Qui Qui, Chloé Pour le pétou Ah non, le gamin, tu parles. <laughs> tu crois Ouais, il a grandi mais je l'avais vu il était repassé dans une émission je crois et tout mais euh, je sais plus je sais plus ce qu'il disait mais en tout cas c'est sûr il avait grandi <laughs> mmh. j'ai plus rien à boire et j'ai oublié ma gourde je kiffe trop cette pub <laughs> Tiens, j'y ai pensé avec mon fils qui a essayé de me faire croire que c'est Doudou qui avait vidé toutes les caisses de jeu de sa chambre. <laughs> c'est comme le dragon. C'est pas moi. Bah oui, c'est le dragon. Elle me fait trop rire parce qu'après elle dit euh, Ah le dragon, il a déjà mangé ta mousse au chocolat, et il a pas en plus cassé euh, tes jouets, quoi. <laughs> Genre c'est toujours la faute du dragon, c'est pas de la sienne, quoi. Mais ça va où ça Quand même Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en fait... Euh, ben bah non, pas du tout Pauline. C'est vachement plus haut ça, celle-là, parce qu'il y a le bout de son balai. Euh, ça, Bah oui, ça va peut-être là, ça. Mais oui, Pauline, voilà. Ça, ça. Ça, il y a un bout aussi là. On n'arrive pas loin d'un coin là. Mmh, 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 mmh. Je réfléchis. Non, ça va pas là. Ça, ça... Ok, ok, on avance, on a bientôt fini à côté. <laughs> ok, ok. Premier côté, enfin premier côté. On a assemblé ah, quelques pièces. La mousse au chocolat, trop bon. Il va falloir refaire un bubble tea, j'ai pu. <laughs> euh, C'est pas la même petite Un peu plus grande Qui fait su une super tirade sur l'amour Ah peut-être Ah je sais pas Céline Mais peut ça m'étonnerait pas Tu vois que ce soit la même petite fille Ouais ils font 10 par 15 La taille d'une photo 10 par 15 le pulse y fait une fois fini Ça va C'est très correct C'est petit euh, mais là, j'ai l'impression que. Mais où ce bout là Je vois pas ce qui pourrait aller là. Là. Non, pas ça. Pauline, arrête de forcer, tu vas tout casser. Ça, ça. Yes. On voit le bout de ça. Oh non, j'ai le nez qui coule. C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons. <laughs> ah, j'ai la goutte au nez. crotte bah si ça va là ça ok 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 c'est vraiment tout petit hein. faut pas avoir des gros doigts hein. attendez faut que j'aille chercher un mouchoir ah bah j'en ai là je trop... <laughs> le bubble tea en fait c'est un thé froid avec du sirop ah oh ah bah pourquoi le a il a pas sorti tout et euh, dedans alors normalement c'est fait avec des perles de tapioca le vrai bubble tea, je crois. Mais une façon un peu plus soft de le faire, c'est avec des perles de fruits. Donc t'as des petites boules comme ça, là. Et après, bah, t'as ton sirop et ton thé. Et c'est bien pour l'été, c'est frais. <laughs> euh... Ouais, ça permet de faire chaque jour. Ouais. C'est ça qui est bien avec les petits pulses comme ça. Bien, c'est bien. Franchement cette taille-là, bon c'est vraiment petit petit. Mais pour ceux qui n'osent pas se lancer dans des grands grands euh, grands grands pubs, ça peut être pas mal quoi. Ça me paraît bizarre que ce soit si grand là. Ah oui, Pauline, c'est normal, c'est là que ça va, ça, ça va pas du tout là-haut. Voilà, voilà. Si en plus je mets, je positionne mes trucs au mauvais endroit, ça va pas marcher. J'ai chaud. ça va pas du tout ça du coup ça va en bas comme ça ok nine ok 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 <laughs> ça ça semble ça ça semble va pas là du tout Là, il y a une, euh, un truc qui me chiffonne. OK, comme ça. Ça, ça doit aller là. Non, tu ne veux pas. OK, comme ça. Il me manque des pièces là. quai j'ai fait Qu'ai-je fait OK, ça, ça va là. Bah non, pourtant, et donc ça et ça. OK, on a le cadre En 15 minutes. Non, 15 minutes Sérieux. Et Pauline adore ça. <laughs> Et tu prends ça où Alors moi, je commande chez My Bubble Tea. C'est une, une entreprise bretonne en plus. Je crois que tu pourrais refaire ta tu <laughs> Team avec ou sans modèle, moi ça dépend. À ah, moi, c'est avec. Toujours avec. Euh... J'avais dit que tu allais... Je l'avais dit, tu allais en perdre, mais je perds pas de pièces. C'est juste qu'au pire, je les avais mal sorties de mon tri. Bon là, on avance parce que du coup je euh, l'air à fond en fait. moi bon, ça devrait être un peu plus rapide parce que moi, je dis ça, <laughs> je vais pas m'avancer trop vite. Mais bon vu qu'il y a un peu plus de couleurs quand même, Choc. Ça peut aller très très vite comme ça peut être très très long. Là il y a du rose. Le rose c'est juste sa cape. Cap, ça cap putain j'ai des pièces qui sont abîmées du coup vu qu'elles étaient collées et que j'ai tiré dessus je suis deg hop non ça va pas là ça on a son visage ici là on a son œil ça c'est le balai que... euh, ça ça va plutôt aller par le bas ici ça c'est un bout du palais Ballet, ballet, ballet. mais dans quel sens J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Sans, j'adore les faire sans modèle. <laughs> tu perds la tête alors. <laughs> j'ai été gâtée aujourd'hui. Pourquoi Il te reste entre 15 et 25 minutes, ça va être chaud. On voit pas le temps passer en fait. Hein euh, tac, tac. Euh, ça peut être le bois du balai ça aussi là. C'est que quelqu'un. Hop, 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 hop. Eh, ça peut aller super vite aussi. Hein. <laughs> ça, je pense que ça va ici. Voilà. Est-ce qu'on a un assez cheveux là? On a ses cheveux. Un bout de son visage, il me manque. Là, il y a le petit chat. Et un œil, là. Eh, hey, coucou Charlotte, comment tu vas Mais les hobby m'a offert des cadeaux. C'est vrai, mais... Et quoi donc Ça va Pas trop vite quand même. <laughs> J'adore Pauline et ses bruits bizarres, mais quel bruit <rire> Tac tac. <rire> bah il y a un son tac tac, mais je ne sais plus comment elle l'a écrit Marley. J'ai chaud. Je vous explique même pas. Je pense qu'une petite douche va s'imposer après. Après ce petit live, le chat il est par ici. Hop, on va le monter un petit peu, un petit peu plus haut que le balai. Il n'est pas très loin de son visage. Euh, il manque des bouts de balai. Balai. Ici. Ici, ici. Non, ça, ça doit aller par là. Ah, ouais, bah, ok. Je comprends mieux. Ça va là. Bam. Bam. Ça, je vais le sortir pour l'instant. Ça, ça doit aller ici. Ok. On avance, on avance. Ça, ça doit aller comme ça. Un gros bout de balai qui me manque là. Il est là. Hum, hum, hum. Ça s'appelle n'importe où, donc on va attendre. Allez les cheveux orange là, madame. Le fond va être plus long, ouais. tout ce qui est bleu là ouais, ça va être un peu plus compliqué. Tu ah mais j'ai pas regardé les vidéos Delphine encore que tu m'as envoyé. Je kiffe trop à me des stylés, un coverminder et un carnet à diamanter. Ah, mais si, oui, c'est les dernières vidéos. J'ai vu qu'il y avait un carnet dans les vidéos que tu m'as envoyées. Mais je t'avoue que je n'ai pas encore ouvert les vidéos. Je n'arrête pas de courir cette semaine. Au boulot, ça a été super compliqué de me concentrer. Je vous raconterai pourquoi la semaine prochaine. Mais pff, voilà quoi. Ça n'a pas été de tout repos. Et ça ne va pas être de tout repos. C'est <laughs> pas fini. Hop, ça, ça doit être ça. Tant qu'on est dans les couleurs, ouais, ça va être assez facile. Mais par contre, quand il va falloir faire le fond, effectivement, ça va être... Mais je vous l'ai dit, vous avez choisi celui-là. Il y a beaucoup de, de bleu. <laughs> ça ne va pas être le plus simple. Euh, le chat, le chat. Il n'y a pas d'autres petits bouts du chat, non Ça, c'est quoi Elle a un livre dans les mains. Donc ça, ça doit être le livre ça, ça peut être le livre. Euh, hum, hum, hum. là, on a un bout du livre, comme ça peut-être. yes. je sais pas si c'est le livre, ça si c'est le livre. hop, ici. Hum, 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 hum. ça c'est ses chaussures. ça c'est ses collants. <laughs> je, parle, hein. je parle, je parle, je parle. Je suis concentrée, comme moi orange. Hein? Comme toi? Ah tes cheveux, tu <laughs> me... pas avec un moucheron qui m'embête? Écrase-le! <laughs> C'est chiant ces petits moucherons, les petits moucherons de chaleur, à la limite qu'annonce l'orage là, les petits trucs comme ça. Hmm, ça, je me demande si ça fait pas partie du chat. Sa queue. I think, I think. Le chat, il va là. Ah là, des boucles d'oreilles étoiles. Donc ça doit être ça. Ah, ça c'est son col. Ok, donc ça va là. Ça, ça doit être comme ça. Ok. Ses cheveux. Ils sont beaux ses cheveux. Pff, il est magnifique ce dessin. C'est pas humain de savoir dessiner comme ça. Moi, je veux savoir dessiner. Comme ça franchement je sais pas ce que vous en pensez oh il est à l'envers par contre pour vous le pulse, c'est con j'aurais dû inverser la caméra c'est con c'est con ça euh... plus par contre ouais, ça tient pas super bien tant que tout n'est pas assemblé quoi c'est un peu chiant ah, ça doit aller là ça voilà Chouic. Chouïchouïchouïch. Ça, ça va avec ça. Son collant, là, ça doit être là, ça. Oui. Ça, c'est sa botte. Ça, ça doit aller là. Chouip. Hop. Ici. Là. On avance, on avance, on avance. Hein. Je fais tout déglinguer. Là on a du bleu là. là on approche on approche du bleu mais il y a ça aussi uh -huh. là je vais faire tout le jaune avant là tu as refait tu as refait sur le 40 000 non ça fait longtemps que j'ai pas retouché aux 40 000 ça fait longtemps longtemps mais il est là-haut là. -haut, là. Enfin, je ne sais pas si vous l'apercevez. Non, non, peut-être pas. Il est sur mon meuble là. J'ai toujours été nulle en dessin, moi, même moi aussi. Je voulais faire des cours de dessin, mais... Retourne-le pour le terminer. <laughs> ah vas-y, tu m'ajoutes des, des, des difficultés. Non, non, non. Déjà qu'au final, c'est beaucoup plus long que, que je pensais. Je pensais que j'étais plus rapide que ça. Hop. Euh, ça, je pense que c'est un bout du livre, ouais. Alors ça, ça mange peut-être. Ouais. Ça, ça doit être ici. Ça, ici. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Ici, peut-être non plus, mais où es-tu, toi <laughs> On a des chauves-souris chez nous, elles mangent les moucherons. Ah, bah, c'est pratique ça Moi, j'ai toujours été une langue ça, j'avais vu. C'est Maria. Ouais, c'est ça. Chetkareva, je sais pas comment on dit, elle est, elle est russe, je crois. J'avais pas vu ta question, désolée, Lucie. <laughs> Mais du coup, euh, Céline a répondu. Euh, Pauline en haut, du un, un bout des cheveux. En haut où Là ah Non, tu as été hors champ celle-là. <laughs> Je la voyais pas. Il euh... y a un truc vert. Ah bah oui, un crapaud sur son, une, une grenouille sur son, sur son chapeau là. Pouf mignon là ça c'est un bout du balai c'est sûr hop là 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 ça doit être quoi un bout de sa botte oui ça c'est un bout de sa aussi et ici là on a la lune derrière je suppose hum, ici peut-être plus ouais le chat Là, on a ses cheveux. Peut-être pas ici, ça. Plutôt ici. Oui Je me félicite moi-même. Euh, quand tu as fini, un pulse, tu en fais quoi Tu le gardes ou tu t'en débarrasses Ça dépend. Si j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et que j'adore l'illustration, je vais le garder. Et si je n'ai pas plus kiffé que ça et qu'au final, l'illustration ne me botte pas non plus euh, plus que ça, euh, bah, je le revends. Après je ne garde pas mes pulls de montée. Moi dans tous les cas ils sont... Je les fais, je les défais, je les refais, je les redéfais, je les fais, je les redéfais. <laughs> en gros, voilà. Jusqu'à ce que je m'en lasse et que je finisse par le revendre par exemple. Hop. Tchouk. Ça, ça va là. Ah, on avance pas mal quand même. Whip. On est à combien On est à presque une demi-heure. On a pas mal avancé vite là avec l'intérieur au final. Au final, j'ai mis plus de temps à faire le cadre. C'est fou ça. Pourtant, ça, ça devrait aller quelque part par ici. Laissez là. Il manque des petits bouts de la grenouille là. Il devrait y avoir des petits morceaux verts qui traînent quelque part. J'en vois pas. Ça, là, ça doit aller par là, ça. Ce bleu. Ah quoi que ça peut être là aussi. Hop. Mmh, mmh, mmh. Hop. Pam pam. Hop, ouais, on n'est pas mal. Hein. Normal, tu es pas attentive. <laughs> Elle a oublié le chat. Le chat Ben non, il est fait le chat. Non, non, on ne l'aide pas. Pas vu Batman encore. T'es obligé de te dévêcher, tu sais, il fait chaud. <laughs> Fais tranquille. il <laughs> crie. <Chute une grid. rire> tu l'as pris ok tu es obligé de te dépêcher je lis vos commentaires vous me faites trop rire moi j'arrive à refaire le même deux fois je revends ah t'arrives pas à refaire le même deux fois tu revends direct <laughs> ici tu me montages des montages et maintenant avec les loulous surtout en hiver qui arrive on va ressortir les pages d'automne et Noël bah ouais mais c'est trop bien de faire ça moi j'adore normal il est pas tu es pas attentif ça j'avais vu, moi je suis impressionnée, ma popo tu vas vite, tu as le coup d'œil. Mais c'est ça en fait, c'est surtout de Après, je m'aide de du modèle. Hein. Donc, euh, sans le modèle, ça serait plus compliqué, par exemple. Je mettrais plus de temps, ça c'est sûr. Parce que je repère du coup les. Par exemple, ça, l'étoile, là, euh, j'essaie de repérer où elle est sur le dessin, ça m'aide, ça m'aiguille pour savoir où la placer, quoi. Elle est quelque part par là, normalement. Là. <laughs> Sinon, j'aurais galéré à la chercher je sais pas si j'ai beaucoup de mérite au fait. <laughs> Hop. Après, euh, moi, quand je fais des pulls, j'aime pas chercher 107 ans. Si ça me gonfle trop, euh, je balance tout. quoi. Il faut que ça, il faut que ça découle, quoi. Sinon. Euh... Par, par exemple, je serais incapable de faire les pulls... Euh... Il y a toute une série que, que c'est Clément Tony, je crois, qui a fait ça. Ça s'appelle les Pulse Impossibles, quoi. La collection The Impossible ou un truc du genre. Je ne pourrais jamais faire ce genre de pulse. Jamais. Déjà, ça ne m'intéresserait pas et euh, je péterais un cap dessus. <laughs> Très clairement. Et c'est pareil, tous les pulses tout noirs, tout rose, tout là. Oh, non, je ne peux pas ça. Ça, je ne peux pas. Hum. Réfléchis Pauline, cette pièce-là, elle est un peu particulière avec là. Voilà. Comme ça Non Comme ça Oui <laughs> Bye bye team 1. <laughs> les impossibles... Ah non, voilà, ouais tu as essayé les escapes. Ouais Ouais, ouais. Alors, à il y a longtemps, il y a longtemps, je dis ça comme si j'avais 50 balais, non. Euh, j'avais fait un... Déjà, à l'époque, j'avais fait un partenariat avec Ravensburger. Alors, c'était à l'époque où j'avais acheté mon premier 40 000 pièces. Euh, bah, pareil, je leur faisais un petit peu de, un peu de pub avec le 40 000 pièces. Du coup, euh, on avait fait un petit partenariat. Ils m'avaient présenté les, les Escapules et franchement, j'ai adoré le concept. De voir après chercher des indices, décrocher des pièces de certaines parties du pulse pour former la solution. Mais ouais, c'est pas mal. Franchement, hein. t'as déjà essayé, toi Elle rentrait bien en DP. Ouais, mais on est d'accord, Ingrid. On est d'accord. <laughs> Une fois, j'ai vu un pulse, même hors contour, il y avait certaines pièces avec un côté droit. Ok, Chloé, merci beaucoup d'être passée. Gros bisous. T'en as un qui t'attend <laughs> de chez Ravensburger Je sais pas, tu me diras s'il y en a d'autres qui font euh, qui font des... Ah, des Pulse, à part eux. Bah, Pauline quand même. Celle-ci, elle est particulière. Là. Oui. Hop. Euh, là. On a bientôt fini. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mmh. Ruine de cookies C'est pas vrai. Céline quand même. Ah, qui c'est qui veut me faire perdre du temps C'est Flora. En plus, ça va être super désagréable pour vous d'entendre quand je bois parce qu'il me reste plus que les petites bulles. Pauline, tu as chaud, elle a fait une pause. Sans le chat. C'est un chat, hein Tu aurais fini en 20 minutes. <laughs> tu crois? Hop. Hop. Et la petite dernière. Talan, talan. Je vous le mets à l'endroit. Donc, euh, un petit peu plus d'une demi-heure. 34 minutes exactement. Pour faire cette petite merveille. Il est canon, hein, franchement. C'est vrai que ça ferait un super d'épée. Moi <laughs> ouais, je crois que j'ai bien tout gagné. Oh, attendez. Hop 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 hop, je remonte un peu les commentaires. Trop mimi, bravo, trop trop bête. Canon, ouais, les canons. Euh... J'en ai un qui t'attend Ah oui, ça j'avais lu. <laughs> oui, les smart cuts, ça peut arriver. Encore perdu. J'ai jamais entendu parler ça des smart cuts. Mais j'ai jamais testé. Je sais pas vraiment trop ce que c'est. Encore perdu. Ruine de cookies. Ça, j'avais vu. Si là, je perds, je comprends plus rien. Hydrate-toi, moi aussi perdu, Céline. A raison. Tu nous voles. Mais moi, je gagne rien. Mes cookies, à moi, ils sont illimités. Trop joli. C'est. Pas fini, faut l'encadrer. <laughs> et là, la dernière ne rentre pas. Trop bimy. bravo. Trop canon, bravo. Ah bah bravo. Elle m'aurait fait plusieurs jours, mais non, quand même pas Marie. <laughs> Il est tout petit, oui. Youpi, elle est mignonne cette sorcière. C'est des découpes différentes des traditionnelles pièces. Elle est smart cat, ouais. Mais c'est qui qui en fait du coup de, de ça Attendez, je valide la prédiction. Euh, du coup, on a entre 31 et 40 minutes. Euh, choisir la réponse. Hop. Terminé la prédit terminé, voyons un petit peu ce que ça donne En étant dans la tranche, vous étiez 4 Nana Moy qui avait voté 500 enfin qui avait misé 500 cookies, elle en gagne 1008, ma petite Cécile qui avait misé 216 cookies en gagne 769 Isabelle qui en, qu en avait misé 68, elle en gagne 242 et Lucie pour 50, elle en gagne 178, bravo les filles Ah j'en ai un de Smart Cut, ça me perturbe trop, perdu. C'est des découvres, mais ça j'avais vu. Ouais, je ne sais pas qui fait ça, les smart cuts là. Maintenant, ah on casse tout et on le range. <laughs> ça fait mal au cœur. Hein. Il est trop mignon. Franchement, trop, trop, trop mignon. Donc normalement, ceux qui ont gagné, vous avez dû voir vos cookies euh, augmenter d'un coup. 3000 cookies. À partager, est-ce que vous voulez qu'on en fasse un autre ou est-ce que vous voulez qu'on passe sur un autre loisir? Je vais faire un petit sondage. J'adore ces trucs là, j'adore Twitch pour ça. <laughs> que fait-on? Euh, un autre Pulse pixel. Je vous propose les, les, les autres loisirs, on ne sait jamais. Hein. Pixel, lobby. Euh, point de croix. Où je vais rajouter le punch needle. Il est pas loin. Donc si jamais ça vous tente de voir ça. mais... Et je mets pour deux minutes le sondage. Allez, c'est parti. Je vous laisse voter. Que fait-on Je suis à 9400 cookies. C'est vrai, nana. <laughs> mais tu gagnes souvent, toi. Hein Maintenant, Pauline, tu vas finir ton pulse. Tu vas finir ton pulse du boli. Non, pas déjà. Pas déjà, pas déjà. Un autre, un autre. <laughs> un autre du punch, punch, point de croix, point de croix. Oui. <laughs> Attendez, je regarde ce que ça donne. Oh, pas vrai, vous êtes tous sur le punch. <laughs> J'ai un cob Hill et un neurographique. Ah, ce pas des marques que je connais. Faudrait que je regarde si Travel, ils en vendent. Le Punch Needle, j'aimerais voir la technique. Franchement, c'est tout con. C'est vraiment tout con. Une fois que tu as pris le pli, ça passe tout seul. Bon, clairement, c'est le Punch, hein. Tac. Il reste un peu de temps. Je vais aller chercher le punch en attendant parce que je pense que... <laughs> Pourquoi Marlène Faut que j'emmène toute ma maison si je fais ça. Euh, le prochain live, alors la semaine prochaine, c'est un petit peu plus compliqué parce que le week-end prochain, week prochain, je suis pas là. Et surtout, le prochain live, il est pour le lancement de l'événement euh, oralois, automne-Halloween. Et je crois que du coup, je l'ai programmé euh, jeudi. Je crois que je l'ai mis le 14... Ah, oh, pourquoi j'ai fait ça Le 14 ou le 15 Je sais plus. Je crois que je l'ai mis le 14. L'événement aura loi, Domi. n'était pas dedans. Le 14, ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça sera un live que j'essaierai de faire euh, traîner, je pense, jusqu'à presque minuit. Comme ça, on lancera le go ensemble, si ça vous dit à la rigueur. Ou alors je le démarre un petit peu plus tard et euh, comme ça, on... après, c'est un jeudi soir. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui vont être motivés pour rester jusqu'à minuit et puis commencer leur... Euh... Leur, leur événement, quoi. Mais coquine, Domi. <laughs> bon, je vais chercher le punch. Euh, j'ai des nouveaux modèles à faire. Je vais finir tout ce que j'avais en cours, normalement. Bah, comme ça, vous allez tout voir de A à Z. On va faire un petit tuto, si ça vous dit. Un petit tuto, un petit tuto. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai laissé l'info. Euh, on va faire du punch needle. donc Je vais, je vais changer le titre du... Du live. Hop je je me suis trompée, j'ai mis Punch Need. Il manque des lettres. Needle, hop. Ok. Genre, ça vous tenterait qu'on lance l'événement ensemble Genre, le 14 au soir, où on reste ensemble jusqu'à minuit et. Euh... Ah, je vais aller chercher ma gourde. T'as raison, Flo. T'as raison, t'as raison. Parce qu'en plus, j'ai chaud là. Je vous mets une petite page de pause le temps que j'aille chercher tout ça. Et euh, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Je sais tout, où tout est. Euh, je serai là qu'au début. Ah, aïe, Carle à 6 heures. Ouais, bah ouais, ouais, trop chouette. Ok. Bonsoir Didine, comment tu vas Et bonsoir les broderies d'Alex, comment tu vas Pourquoi j'ai. Pourquoi pas, j'ai posé ma journée du 15 Ouais, alors attendez, moi je travaille le lendemain quand même. Ouais, je travaille, mais bon. De toute façon, je dois rester éveillée pour lancer le, le post sur le groupe avec le fameux mot <laughs> pour valider votre toile. Tu ne seras pas jusqu'à minuit Pff, Petite joueuse, Delphine, petite joueuse. <laughs> petite joueuse. Bon, allez, je vais chercher le punch. Je mets une petite pause et. Euh... Non. <laughs> non, pas de triche. Pas de triche, pas de triche. Je reviens. Je vais chercher. Euh... Le punch, ma gourde et on se retrouve tout. De suite, ne bougez pas, hein. j'en ai pas pour longtemps. Hein. <laughs> Découverte du. Baba, baba, baba. Pourquoi il me lance ça, lui Voilà, me voilà. Il avait relancé le sneak peek. Non, mais franchement. <laughs> N'importe quoi, ce machine. Bon, alors, j'ai sorti toutes mes pochettes parce que je savais pas. C'est pareil, il y a plusieurs modèles. On va choisir ensemble lequel on fait. Déjà, je vais ranger le Pulse. J'ai oublié la pause pipi. <laughs> Côté triche, tu sais. Y faire. Pourquoi je n'ai rien fait, Domi Justement, je ne fais, je fais tricher personne. Il tient le pulse. Hein. Je vous fais une petite. Ça, c'est des les pulse rêveries. Pour ça, ils sont bien. J'aurais pas pensé que ça marchait même sur les petits, mais en gros, vous le portez, il ne se casse pas. quoi. Voilà. J'ai chaud. Bon, allez, je... je casse le pulse. Je le range dans sa petite boîte. Ça me fait toujours un peu mal au cœur, mais comme ça allez hop ouais il est franchement chouette <laughs> ça fait partie du calendrier de l'avant euh, Halloween rêverie et franchement il est vraiment tout mignon quoi enfin, ça c'était un parmi et parmi les 13 quoi hop 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 je casse un petit peu hop je vais ranger grosso modo je rangerai plus tard mieux que ça allez le but, de ne pas perdre de pièces, elles sont tellement petites. Alors, n'ai pas trouvé ma grosse gourde parce qu'elle est là-haut dans ma chambre, du coup. J'ai pris ma petite gourde mini en verre qui est toute mignonne. Voilà. <laughs> Mais j'ai de l'eau. Je vais pouvoir m'hydrater. Il y a des calendriers pour chaque événement. <laughs> j'ai commandé aussi celui de Noël un rêverie. Alors, je suis dégoûtée parce que c'est pas Maria qui l'a illustré. J'avais pas fait gaffe, mais bon, je pense que, dans tous les cas, ça va me plaire quand même. J'ai pas oublié de pièces, non. Bon, alors, je remets le pulse. Du coup, j'ai mis un peu le bazar dans, dans, mes chiffres. Voilà, c'est plus du tout dans l'ordre. C'est pas grave, on rangera ça plus tard. Et hop, on boit ma popo. Euh, C'était tout à l'heure qu'il fallait avoir chaud. Maintenant, c'est trop tard. Je vous propose comme motif. Alors attendez, là je vais regarder un peu tout ce que j'ai. Euh, ça c'est ceux qui sont finis. Et là, j'en avais repris cinq. Normalement. Qu'avons-nous Hop Alors, ça c'est ma fille qui le fait. Ça, c'est pour ma fille. Donc je les enlève. Euh... <laughs> On va jouer sur ces trois lois. Sur ces trois lois. Pff. La baguette aussi. Ma fille, le temps qu'elle fasse déjà les deux qu'elle a commencé. On en a pour un moment merdoum. J'ai oublié mon crayon, je crois. Alors, je vous propose, comme modèle de punch needle. Euh, J'ai pris ça au cas où j'avais pu mon fil. Ah oui, Maria, c'est la personne qui a illustré les deux dernières toiles chez Auralois. Ouais, ouais, ouais. <laughs> Imaginez un calendrier d'avant Auralois. Bah ouais, mais tu me fais il faudrait des petites toiles Mmh. Oh là là, là, ça gronde beaucoup chez moi orage en prévision. Ah, ça va rafraîchir l'air. Le panda, le panda. Attendez <laughs> Alors là, ça serait le top. Bah ouais, j'avoue, ça serait le top. Le panda, c'est trop. Je colle. Alors, on a le petit koala. On a la petite baguette magique. On a le petit panda. Comme un panda. <laughs> C'est pour toi, Florence. <laughs> ou on a une petite abeille. Donc maintenant, je vais lancer un petit sondage. Parce qu'on adore faire ça ici. Nouveau sondage, quel punch Hop Alors, on a l'abeille, le koala, le panda ou la baguette. Magique, je mets pendant deux minutes, ça suffit. Hein. Ouais, allez, c'est parti. Le sondage est lancé. Panda, moi, bon, mais voilà. Bon, je pense que le panda fait l'unanimité. La... <laughs> Et coucou, caramboline, koala voilà, ou abeille. <laughs> le panda écrase tout le monde. <laughs> ah ah ah. On met les motifs, hein. Je ne sais pas si vous allez tous les voir sur la caméra, mais. Tic, tic. Il a du succès, le panda. Tac-tac. <laughs> ouais. ouais, le panda écrase, écrase tout le monde. Hein. Clairement, là, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Alors, attendez, j'espère que j'ai bien pris mon feutre, par contre, pour pouvoir dessiner sur la toile. C'est ça qui va être le plus compliqué ce soir, parce qu'avec la luminosité de crotte que j'ai, franchement, ça ne va pas être ce qu'il y a de plus simple. Je sortir mes petits fils. Euh, attendez, j'ai bien mon cadre au moins Oui. Hop. Mon aiguille. Yes. On a tout. Panda. <laughs> euh, j'ai voté Koala pour qu'ils ne se sente pas trop délaissé. Tout le monde vote Panda. <laughs> bah Oui, pauvre petit Koala. Ça, ça doit être lui d'ailleurs. Ça, c'est Koala. Euh, ça, c'est le panda. Une petite toile. Et on va être bon. Il reste quelques secondes. Bon, je pense que ça changera pas la donne. 14 voix pour le panda. Allez, adjugé vendu pour le panda. J'adore vraiment l'univers de Maria. Ouais, moi aussi, je kiffe ce qu'elle fait. Franchement, c'est vraiment trop, trop beau. Céline, point de croix panda après les lapins. <laughs> Je ne sais pas s'il y, y a des motifs un petit peu sympas. Alors, je range les autres. Désolé, les petits autres, vous n'avez pas eu de succès ce soir. On vous range. Hop là. J'attends vraiment l'univers, vu. Hop. Alors, première chose à faire, vous avez votre toile. Vous avez votre petit panda. Vous avez derrière le motif. À tracer. Alors, pour ceux qui sont super doués en dessin, vous pouvez y aller comme ça. Pour ceux qui sont nuls, on décalque. <laughs> ce qui est mon cas. Donc, on essaie de bien se centrer sur la toile. Ça, c'est pas ce qu'il est a de plus simple. Je vois pas très bien. J'ai sorti mes petits fils. J'ai mon petit crayon. en Normalement, je fais ça avec un crayon noir. Euh... T'as jamais vu de punch needle Ah, bah, c'est parti tu vas voir, c'est franchement pas compliqué. Alors, je vais essayer de tracer euh, avec le peu de luminosité que j'ai. Moi, je fais ça au charpie, ne le faites pas au charpie, franchement. Il faudrait des feutres qui partent à l'eau. Bon, après, on ne voit plus grand chose, donc euh, c'est bien caché par la laine, donc ça va. Et donc, pour info, là, les kits que j'ai viennent de euh, chez. La boutique, c'est reparti. Que je recommande grandement. Ils ont des belles valeurs, franchement. Bon après, c'est pas grave si c'est pas super bien tracé. D'ailleurs, elle, elle fait des dessins là, en ce moment, sur le thème de l'automne. J'espère qu'elle va les sortir. Parce qu'ils sont juste trop canons. Tchouk. Tchouk. Petite bouche. Euh, j'ai vu, fini, mais jamais en cours. Jamais non plus. Ah bah, une bonne découverte pour vous les filles ce soir. Vous allez voir, c'est sympa. Mmh. Choup, choup. C'est pas évident, j'ai une luminosité vraiment de merde. Hop là. Quelque chose dans le genre, ses yeux maintenant. <laughs> Hop. Hop. Oh, je te vois moins bien celui-ci, crotte. Voilà, on est pas mal. On a notre dessin de tracé. Maintenant, on va commencer. Alors, ensuite, quand vous avez votre dessin de tracé, pose Kinder. Oh, moi aussi, j'en veux. <laughs> ah oui, tu as vu, c'est trop beau. J'espère qu'elle va les sortir. Ben ouais, ouais. J'espère aussi. Et puis, il ah, et ils avaient sorti, c'était son. Je ne sais pas si c'était son mari, je crois, il lui a dessiné un. Sur le string art là que j'ai envie de tester aussi. Ils en avaient sorti un hein, sur le thème Harry Potter. Je crois que c'était la voix 9, 3 quarts. ils peuvent le sortir aussi, celui-ci. Alors après, le tout c'est de cadrer euh, votre panda pour qu'il soit à peu près au centre de votre cercle. Là, ça me paraît pas mal. Mmh. Passer par là. Je rappelle que ce loisir, euh, si je l'ai découvert et si euh, j'en suis devenu accro, c'est à cause d'Isabelle quand même. Hein <laughs> jamais vu non plus je ne connais pas du tout non franchement c'est bien sympa c'est pas compliqué et c'est franchement sympa moi bon, je vais réussir à te cadrer mon petit je peut-être le baisser un petit peu on est pas mal là vous serrez bien votre cadre je viens de voir une erreur dans mon point de croix oh non pas le courage de tout défaire. Ah bah ouais tu m'étonnes. Normalement je serre avec mon tournevis pour que ça soit vraiment bien serré, parce que j'ai du mal, j'ai pas de force dans les doigts. Pour bien serrer le cadre pour pas que ça bouge. Merde, je suis en train de desserrer. <laughs> Monsieur Pauline est au lit ou il regarde le rugby Il y a du rugby encore ce soir Ah peut-être qu'il regarde le rugby, je t'avoue. Il est pas au lit en tout cas. J'ai faim Bah mange <laughs> Je me souviens, c'est moi qui t'avais fait découvrir ce loisir. Oui, au tout début, c'est toi Nana Moy, effectivement, qui m'en a parlé. Et après, à cause d'Isabelle, j'ai découvert la boutique C'est reparti. Ouais, j'avais pris du coup un kit. Euh, quand tu m'en avais parlé, Nana Moy, j'avais pris un kit chez les petites boutiques chinoises. Et je t'avoue que je ne l'ai jamais fait ce kit-là. Et quand j'ai vu les motifs de chez C'est reparti, je me suis dit, bon allez hop, je teste, il est temps. On est là. Voilà. Bon, j'espère que ça va bien tenir parce que j'ai pas. Ça pue le métal après. J'ai pas vraiment beaucoup serré euh, mon truc. Pas assez à mon goût. C'est un petit peu trop détendu là. J'ai faim aussi. Euh... Angleterre versus euh, Argentine. Mais mangez les filles. Bah, t'es en train de manger un Kinder, Delphine. Comment tu peux avoir faim <laughs> J'ai marqué Pulse, Needle. Non, mais et puis personne me le dit. Hein. Franchement. Après je sais pas si vous voyez le titre. Punch. Needle. Voilà. Euh, Est-ce que je peux mettre, 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 mettre. Voilà. J'ai chaud. C'est une catastrophe. Voilà. Mon intitulé est mis à jour, comme ça il n'y a plus de problème. Ah oui, j'ai pas de Kinder. <laughs> Euh, je vais aller chercher le tournevis pour serrer plus parce que j'aime pas. Non, on regarde pas le titre. <laughs> J'essaie de serrer au maximum, mais c'est vraiment pas évident. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Du coup là, j'ai ma petite laine. Ah, c'est un fil de fer qu'ils ont mis maintenant. Ok. Hop, 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 hop. Alors par quelle couleur je commence mon petit panda Je vais faire le. Je vais commencer par le blanc. Ouais. Ils sont déjà digérés les Kinder. J'arrive pas à retirer. Hop là voilà blanc. Alors. Hop j'enlève ça. Je veux bien t'en tenir. Et alors là, attention, attention, c'est là le plus compliqué dans l'histoire, si j'ose dire. Mais du coup, t'en fais, euh, Nana Moy, aussi, du punch. Je le vois blanc, cassé. Ben ouais, mais c'est ma caméra, c'est la luminosité qui fait ça. C'est blanc. Bon, c'est blanc crème, c'est pas blanc blanc non plus. Hein. Moi, j'ai fait des pop-corns pour ma puce. C'est pas mal entre d'épée, popo et popcorn. <laughs> c'est clair, c'est une bonne petite soirée, ça. <laughs> donc, pour ceux qui voudraient vraiment voir tout le tuto de comment fonctionne le punch, vous avez votre aiguille donc qui ressemble à ceci. Alors, attendez, je regarde si je cadre bien. Allez, ouais. biseautée. Vous avez un petit trou au bout, ou là. Je ne sais pas si on va bien voir. Vous mettez ce petit enfil-aiguille dans le popotin de l'aiguille pour qu'il ressorte. Voilà. <laughs> Jusque là, tout va bien. Je prends mon fil, je le passe dedans. Je crois que je suis en train de faire à l'envers en plus. N'importe hein. quoi ce que je vous dis. On le passe dans la tête pour qu'il ressorte dans le popotin. <laughs> Hop. Ah oh, le Kinder Country, j'adore. J'adore le Kinder Country. Mais pff, mon préféré. Ça reste le Kinder Surprise, enfin le Kinder. Euh... Ouais, le Kinder Surprise. <laughs> dans l'autre sens. <laughs> Même <si ça> fait... <laughs> je me suis rendu compte que ça n'allait pas ce que je faisais. Donc, vous passez votre laine euh, bah dans l'enfil le, aiguille. Vous tirez jusqu'à ce que ça ressorte par la tête. Et il ne faut surtout pas oublier, là, il est encore dans mon enfil aiguille, de passer dans le trou de l'aiguille. Et vous tirez voilà et là vous vous retrouvez avec euh, bah, votre laine qui passe dans l'aiguille et dans le petit trou là alors, je vais raccourcir parce que du coup j'en ai un peu trop qui sort voilà faut garder pour le début 10 5 cm à peu près donc là on est bon on est équipé et on n'a plus qu'à puncher alors attention hein. je suis pas une experte en la matière <laughs> J'ai fait quelques modèles, mais je ne dis pas que ma technique est la meilleure. Et il y a sûrement d'autres euh, façons de faire. Il y a encore que... Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, je ne suis pas experte. Je vous préviens. <laughs> J'en ai fait deux, trois. Je me retiens d'acheter des loisirs. J'ai comme objectif d'écouter ce que j'ai chez moi. Découler ce que t'as chez toi. Bah, c'est bien à mais j'aimerais bien m'en tenir aussi comme toi, franchement. Toi aussi, c'est le Kinder Surprise, Lucie. <laughs> Et bienvenue Soumia et merci pour le follow. Comment tu vas Alors, euh, on va y aller, on va puncher. Hum. Euh, ça va. Ça, ça va avec le sens. <laughs> de la flèche des plaques des pixels, exactement. <laughs> Alors, vous gardez toujours votre pelote de laine en entier. Hein. Vous ne vous amusez pas à couper, surtout pas. Et euh, faut il faut qu'il y ait quand même pas mal de jeux dans le fil. Il ne faut pas que ça, ça bloque ou quoi que ce soit. Alors, on y va. Donc là, euh, bah, j'ai sa petite frimousse à faire. Et bienvenue, Ponchounette. Comment tu vas Et merci pour le follow. Alors, je vais démarrer par sa, sa, petite, sa petite frimousse. Euh, ah mais attendez Il y a le bas à faire là en blanc. Il n'est pas tracé. <laughs> il y a une zone blanche en bas là qui n'est pas tracée. Et moi je suis un peu euh, psycho, euh, psycho là-dessus. Il va falloir que je le trace moi-même parce que sinon je ne vais pas aller où il faut. On va faire ça. Voilà. On est pas mal. <laughs> Comme ça j'ai fini mon panda. <laughs> j'ai mis ma flèche à l'envers aussi. Ouais. <laughs> Quand elle m'a dit ça, Céline, qu'elle avait mis sa flèche à l'envers sur son Pixel Hobby. Je lui ai parlé de l'Isabellite, qu'elle avait fait une Isabellite. <laughs> le ventre, très important. Bah oui, on est d'accord. Bon, allez. Euh, après, il faut essayer de démarrer à des endroits un petit peu stratégiques. J'aurais dû commencer par le noir. Mmh. Pour faire son petit nez, sa petite bouche. Bon, c'est pas grave, on y va. Euh, vous voyez bien où je suis. Ouais, à peu près, ça va le faire. On pique. Alors ça peut paraître un peu dur. Moi je me suis piqué plusieurs fois avec l'aiguille et ça fait mal. <laughs> et là je viens en dessous tirer mon bout de laine pour qu'il reste euh, bah, là là. Il ne faut pas qu'il revienne sur le dessus. Je vais tirer un petit peu pour qu'il y ait un peu moins de laine. On va essayer de ne pas gâcher euh, trop 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 de laine. Et Ensuite, vous ressortez votre aiguille. Il faut toujours qu'elle touche la toile pour pas que ça fasse des grosses bouclettes. Alors après, ça dépend. Euh, certains punch, il faut euh, justement faire des grosses bouclettes et d'autres non. Là, en l'occurrence sur le panda, il n'y a pas du tout de grosses bouclettes, donc je reste mon aiguille le plus. Euh... Il enfin, faut que mon aiguille frotte quand je la ressors et vous pouvez vous piquez un petit peu plus loin et vous enfoncez l'aiguille jusqu'au bois. Il faut vraiment que toute l'aiguille rentre. Vous ressortez et vous repiquez un petit peu plus loin et vous rentre, vous ressortez toujours pareil on fait frotter l'aiguille et on repique plus loin ma toile n'est pas du tout assez tendue ça va être un peu galère et là je vais faire tout le contour de sa tête comme ça mais je vais aller chercher mon tournevis pour serrer plus ma toile parce qu'elle n'est pas assez tendue et ça va être galère j'aime pas travailler quand ma toile est elle se détend comme ça donc faites attention de ne pas bloquer le fil qui qui sort de l'aiguille surtout sinon ça va vous tirer sur vos bouclettes et elles seront moins euh, moins efficaces si je peux dire ça comme ça et après bah voilà c'est un coup de main à prendre au début on va pas vite et puis avec le temps bah on sait où on pique où on là, donc on, on va de plus en plus vite quoi je vais juste aller chercher vite fait mon petit tournevis pour, euh, pour retendre ma toile parce que c'est un petit peu galère là. parce que mine de rien il y a quand même pas mal de pression pour piquer dans la toile et euh, du coup, euh, elle se détend. Hop, je vais faire tout le tour de son visage déjà pour commencer. Hop. Mais vous voyez, en soi, franchement, il y, y a rien de compliqué. Hein. C'est accessible aux enfants et tout ça. Hein. Vous faites la taille des boucles que vous voulez, c'est pareil si vous voulez qu'elle soit plus grosse, enfin plus longue. Moi j'aime bien qu'elle soit pas trop trop longue. Hop Après ça fait un petit bruit. Là j'ai fait le tour de son visage. C'est quoi comme toi, Pauline Hein Moi je fais pas de bêtises. J'ai fait une demi-isabellite car j'ai pas retiré mes pixels. <laughs> De quoi c'est quoi comme toi, Pauline? J'ai pas compris Céline. Pause-pipi. <laughs> Et derrière, ça donne quoi? Derrière, du coup, as des petites boucles, je vais vous montrer. Ah, c'est quoi comme toile? Euh, c'est une toile en lin. Alors il n'y a pas d'histoire de CT ou quoi que ce soit. Hein. Enfin, après, c'est ouais, une toile en lin. Elle est, elle est assez serrée. Hein. Enfin, si je devais comparer ça du point de croix, euh, on est sur du très serré quand même. Euh, moi, je vais mettre Ernesto et la ratatouille au lit. Ils sont fatigués. Une <laughs> Derrière, ça donne ça. Ça vous fait des petites bouclettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on voit qu'elles sont bien régulières. Je suis fière de moi. <laughs> ah mince pub, ma baby. Kit Kat, une pub Kit Kat. <laughs> non, n'est non, pas encore terminé. Euh, je vais juste chercher vite fait mon tournevis. Est-ce que vous me pardonnez deux petites secondes pour resserrer ma toile J'en ai pour deux secondes. Et me revoilà. Alors, Oip. je remets ça dans ma petite oreille. Euh. Et on y va. Donc là, j'ai mon tournevis et je vais serrer. Un... Est-ce que j'ai le bon bout Un bout plat. dû retendre un petit peu avant. Bon ça je vous conseille de le faire bien avant quand même hein, de faire en sorte que votre toilette soit super bien tendue. C'est chiant après sinon de tirer dessus là. Allez ça va serrer. Pas si c'est bon mais on verra bien allez on va pas faire du bricolage non plus à 23h à 22h30 là hein. <laughs> ok delphine merci beaucoup gros bisous bonne soirée sympa le punch needle comme une activité que je vais avoir envie d'essayer <laughs> Mais franchement c'est bien sympa puis les projets franchement c'est pareil c'est rapide à faire en une après midi tu peux l'avoir bouclé enfin c'est pas des trucs qui vont traîner sur la durée quoi donc euh... donc c'est pas mal quoi enfin, moi j'aime bien Attendez, je ne sais plus dans quel sens je suis. Du coup, là, je continue. Je passe à côté maintenant. Et je suis repartie pour un tour. Alors, moi, je fais toujours en sorte que ce soit quand même assez proche, qu'il n'y ait pas, de, pas trop d'espace entre les deux lignes. Je suis désolée, je suis un peu hors champ de caméra. Mais Hop. pourquoi tu t'excites le bubble tea là Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein franchement. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est de laisser son aiguille euh, gratter la toile en gros quand vous ressortez pour pas que. Pour que vous ayez des belles boucles. Et pas que tout se défasse derrière et que. Parce que quand tout se barre, après c'est chiant. Quoi. Et euh, là, j'aurais dû commencer par le noir. Pour faire d'abord son petit nez et tout là. Parce que là je vais, je vais galérer. Enfin, je vais effacer ce que j'ai fait en fait. Avec le blanc, je ne vais plus forcément voir mes traits après. Donc je l'ai un peu... Je l'ai mal joué là. Mais vous voyez, rien de compliqué, quoi. Hop. Comme le DP. La maniaque des écarts. Ah bah ouais. <laughs> Euh, je sais pas, Lilou. Je vais voir. Franchement, je sais pas. Là, je pense au moins jusqu'à 23h. Et puis, euh, suivant euh, le monde et comment ça papote dans le chat, peut-être que je resterai un petit peu plus longtemps. C'est vrai que ça a l'air rapide une fois que tu as le coup de main. Ouais, 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 franchement. Puis, bah, t'en fais un et après tu l'as le coup de main, franchement. Faut pas bosser s'il faut faire que les après-midi. <laughs> Mais non, c'est pour donner une idée. <laughs> Moi, généralement, je fais ça bah, le week-end, ouais. Parce que je sais que si je me lance là-dedans dans mon après-midi, je vais le faire en une après-midi, quoi. Ou en deux soirées. Après, enfin, ça dépend de la longueur de tes soirées. <laughs> c'est toujours pareil. Mais c'est rapide, quoi. Astuce aussi bien laisser, oui, faut toujours que le côté biseauté de l'aiguille soit devant exactement Hop, dans le sens de la marche. <laughs> Hop. Euh, là, j'arrive vraiment au bord de sa joue. Hop. Après, vous pouvez dans tous les sens. Hein. Après, plus le résultat, enfin, ça dépend ce que vous cherchez comme résultat. Moi, j'aime bien quand c'est euh... tout, quand tout se suit, mais vous pouvez aller dans tous les sens. Hein. Vous êtes pas obligé de faire le rond comme ça. Vous pouvez aller de haut en bas. C'est vous qui voyez, quoi. Suivant le résultat que vous aimez avoir sur votre punch, quoi. Mais il n'y a rien de compliqué, hein, franchement. Pourquoi tu t'entraînes pas le punch C'est tout facile Je vais vous laisser. Ma pépette est crevée. Elle veut aller au dodo. Merci, Popo. Et bisous, tout le monde. Ça m'a fait plaisir de te voir puncher. Merci, Isabelle. Bonne nuit. Gros bisous à ta poupette aussi. Puis, bah, à la prochaine La maniaque est de retour. Euh, alors, si une fois, c'était sur quel modèle alors, Heureusement, j'avais un peu de. Un peu de rab sur mes anciens modèles, mais une fois ça m'est arrivé où j'étais un peu court en laine quoi. C'était euh, mon cactus je crois. Ouais. Mais peut-être que je serre trop aussi. Enfin, je sais pas. Je sais pas si je serre trop, si je fais mes mes boucles trop petites. Il y a peut-être ça. Hein. Mais une fois ouais, ça m'est arrivé d'être un peu en rade de laine. C'était du. Je pense que c'était pas du noir. Je sais plus. Donc ça va. C'était une couleur que j'avais. Là je pars de repars de l'autre côté parce que je peux plus passer. Euh, je vais faire les contours Je vais faire le tour de son oeil Ma toile elle est pas assez tendue ça m'énerve Il y a trop de jeu là Hop Quand je vais changer de couleur je vais la retendre Là où il faut être un peu plus attentif C'est justement sur les bords Quand vous faites les contours et tout là, faites, euh, Prenez votre temps Hop Et là, on repart dans l'autre sens. J'ai même parfois tendance à repasser sur mes lignes. Enfin, vu, qu va, enfin, vu que maintenant je vais un petit peu vite, je devrais prendre plus mon temps. Hop. Là, on va faire le tour de son œil. Ils vendent un, une petite boîte sur laquelle vous posez votre toile avec le cadre, du coup elle est tout le temps à plat et ça vous permet vraiment de enfin, c'est vraiment pratique ce support, je pense que je finirai par me l'acheter, ça vous évite de tenir votre tambour et puis de, de tourner dans tous les sens là. Enfin, de galérer et de vous piquer surtout parce que se piquer avec cette aiguille là ça fait franchement pas du bien <laughs> Isabelle est partie c'est dommage mais je pense que ça a dû aussi lui arriver de se piquer ben, Nana, et toi nous dis nous mais est déjà piqué avec l'aiguille mais franchement ça fait super mal quoi Et d'ailleurs, Isabelle, du coup, elle a acheté le fameux support qu'ils vendent sur ces euh, sur reparties. Normalement, c'est fait pour les enfants, pour que ça soit plus facile pour eux de, de tenir et tout, mais pas enfin, justement qu'il n'y ait pas à tenir le, le cadre et tout, mais enfant ou pas, je m'en fiche, je pense que je finirai par me le prendre. Hein. Au pire, ça servira à ma fille également. Quoi. Allez. Parfois c'est un peu plus dur suivant où vous piquez sur la toile, mais je sais pas, je sais pas quelle heure j'ai commencé. On aurait dû voir combien de temps j'allais mettre pour faire. Euh... Ne serait-ce que le blanc de son visage, je confirme, ça fait mal. <laughs> J'aime pas le mouvement du tout, c'est vrai. Bon pourtant c'est tout con. Hop. Après, ça peut faire mal au poignet, force hein, quand même. Ouais. Hop. Euh, le trait de l'œil. Et blanc ou noir Bah, c'est mélange. Enfin, ouais, c'est comme ça, quoi. Là, je fais vraiment le. Pardon, ça, on ne voit pas. Je fais le tour de l'œil, quoi. Hop, hop, hop. Merde. Si jamais vous voulez vous laisser tenter, je crois que c'est repartir, ils font des, des promos en ce moment là. Je crois qu'il y a 5 euh, kits pour euh, 35 ou 40 euros, je ne sais plus. Ou oh, sinon vous avez juste un kit, ah, je ne sais plus combien il est Je J'ai plus les prix en tête. C'est 10 ou 15 euros, je crois, le kit sinon. Merde, je pensais de fil j'arrive près de son petit nez faut pas que j'arrive faut pas que j'efface les traits sinon ça va être une galère sans Ma pelote est tombée, bah au moins comme ça je vais avoir du, euh, du soul. <laughs> Qu'est-ce que j'ai fait Et puis mouvement répétitif à fond là. Ah bah oui. Ah bah oui, là tu, tu y vas quoi J'ai envie d'essayer maintenant. <laughs> <laughs> j'ai rien fait moi. Moi bon, j'arrive sur sa bouche crotte. Je vais passer là. Et la prochaine fois par contre je passe pas en dessous. On va faire le tour. Bah, ce qui est alors, ouais c'est pas long à faire c'est pas compliqué et hop c'est ma pelote qui est partie à l'autre bout de la pièce mais bon c'est pas grave et puis le le, 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 le le résultat il est pas mal quoi ça fait des belles petites alors après là, ce qui serait bien moi j'aimais un peu chier une boucle là ce qui serait ce qui est bien c'est de les laisser après sur tambour et de les exposer comme ça éventuellement quoi donc au final ce qui coûte le plus ce qui reviendrait le plus cher c'est les tambours à acheter pour les exposer quoi mais les résultats sont plutôt pas mal quoi ça fait des petits euh, des petits trucs de déco un peu un peu sympa Puis ils ont plein de modèles Alors, il y en a des très enfantins comme des moins enfantins <laughs> franchement il y a, ya il de tout quoi hop on passe près de son petit nez hop Hop. Alors, non, on va faire gaffe à la bouche. Je ne vais pas aller bien loin. Je vais essayer de... Je ne vais plus rien voir. Je vais mal jouer là, franchement. Je vais revenir là. Vous pouvez repasser sur vos boucles après. Enfin, franchement, ce n'est pas toujours évident. Vous gérez comme vous pouvez. <laughs> Là, ça va être un petit peu de cafouillis, mais ça va le faire. On va faire comme ça, par le tour de son petit nez. Sinon, il faut y aller à l'aveugle. Après, essayer de refaire les, les traits noirs euh, sans modèle. Moi, je suis pas très fortiche. Hop, hop. On va voir ce que ça donne après. Je ferai le noir après, puis on va voir. On essayer de faire quelque chose de sympa quand même. Hein. <laughs> on va pas le gâcher ce petit panda. Là je vois que j'ai un trou donc moi je viens de le combler. Hop. <laughs> oh j'ai pas c'est pas terrible ce que j'ai fait là franchement. Ah merde il me manque un bout là. Bon hop on viendra combler avec le noir après et on verra ce que ça peut donner. Mais je suis concentrée, je ne vous lis plus. Là. Oh, plus j'ai chaud <laughs> Moi aussi, je regarde les kits sur Internet. <laughs> et ils sont à combien T'es euh, sur ces reparties, Audrey, là Ils sont à combien Je ne sais plus du tout les prix, si c'est euh, si 10 ou 15 euros. Alors, faites gaffe, parce que vous avez les kits recharge euh, qui sont... Alors, le kit recharge, par exemple, c'est vraiment que le dessin, la toile et la laine. Et après, vous avez les kits complets alors pour une première fois, il faut au moins commander un kit complet pour avoir le tambour et l'aiguille et l'amphi l'aiguille. Chez moi, la pelote. Ah bah ouais, par contre, faites gaffe si vous avez des chats. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, c'est du point de croix simplifié, le punch. <laughs> Carrément. Après, ça rend pas la même chose une fois terminé, mais, mais c'est vraiment sympa. Moi, je suis sur Vinted et Le Bon Coin pour le coffret de Pulse. Mais je peux rêver. Tu trouves pas Tu trouves pas, tu trouves pas Je sais que pendant un moment, en rêverie, ils avaient, euh, je sais pas, ils avaient réussi à retrouver euh, quelques Pulse qui devaient traîner dans leur stock, là, je sais pas où. Et bon, ça faisait déjà, ça va faire déjà quelques semaines, donc à mon avis c'est mort quoi. Il est parti tellement vite de ce calendrier. Je suis en train de me demander si je vais avoir assez de blanc. Je pense que je fais pas assez... Euh... je se passe pas assez mes boucles. c'est pas possible moi, pour qu'il me manque de la laine à chaque fois. là. Hop, je repasse trop souvent sur mes propres boucles. Mais j'aime pas quand on voit la toile en dessous. <laughs> la relou. Les kits sont à 25 euros. Ah, c'est 25 euros le kit. Ouais, donc en fait ça vaut le coup de... Mais il faut d'abord au moins s'équiper. Bon, après vous pouvez acheter l'aiguille et le tambour euh, euh, peut-être ailleurs. Ou si vous en avez déjà des tambours, bah à la rigueur, euh, je ne sais pas la dimension exactement de cela. Euh... Et acheter que les recharges. Les recharges, c'est moins cher. Et il me semble qu'en ce moment, il y a 5 recharges pour 35 euros, un truc du genre. Il fait peur, mon panda, comme ça. Là. <laughs> Je pique mon bureau. Hop. Mm -hmm. Je vais vous montrer après comment on arrête le fil aussi, du coup, une fois qu'on a fini sa couleur. Hop. Hop. Là, j'ai presque fini. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais. Donc là, j'ai fini pour son visage. allez dire. Pareil, je regarderai après. Hop. On le trouvera après Halloween, le coffret. Ouais, ça se trouve. Hein. Une fois que les gens l'ont terminé, il y en a peut-être qui vont le remettre en vente. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Moque-toi. <laughs> D'ailleurs, je veux les mini-pulls. Moi, je veux les mini-pulls, mais les mini-pulls de... Pas forcément Halloween. Ah oui, d'accord. Bah, hé hey. non, non, Si tu veux des mini-pulls, euh, Cécile, tu vas sur Travel, ils en ont plein, hein plein 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 ben voilà <laughs> il y en a pas mal sur travel je vais aller voir et il y a la marque travel et qui en fait plein et franchement ils sont très bien leur pulse de chez travel donc là une fois qu'on a fini la, la partie qu'on est en train de faire vous tirez un petit peu sur le fil comme ça là et vous venez couper alors attendez est-ce que, est que j'ai un ciseau là Vous laissez un petit peu de jeu histoire que la boucle enfin que ça, les boucles ne se défassent pas et vous venez couper voilà et vous retirez votre aiguille voilà ce que ça donne pour l'instant euh, donc je vais changer de couleur là. je vais faire le noir vous voyez il me reste plus grand chose et pourtant il me reste euh, bah, son ventre à faire bon ça devrait suffire il me reste que ça comme blanc hop on va faire le noir comme ça, on va voir son petit visage apparaître. Oh non, quel con j'aurais pu. Ses euh, petits yeux, c'est du blanc là. bah ben, attendez, je vais d'abord faire ces... juste le trait de l'œil là qui est blanc. Donc attendez, je remets le blanc. Merde, putain, je suis en train de défaire tout mon fil pour pas me faire avoir comme sur le. ce que je le mette pas l'envers. Hop. Comme pour son nez là, ce que c'est chiant. Hop, je remets mon fil blanc. Juste pour faire ses yeux. Hop là. C'est chiant pour refaire deux points. Alors, généralement, quand on fait les, les petits traits comme ça, là, quand je vais venir mettre le noir, ça va quand même estomper pas mal euh, le trait de l'œil. Donc, en fait, il faut revenir après repasser dessus quand même. Quoi. Hop. Donc là, je pique sur mon trait, je tire mon fil. Et je le laisse dépasser, Alors pas trop trop non plus. Et je repique pour faire son petit œil. Hop et hop. Donc là, je suis obligée de m'arrêter. Donc je coupe. J'ai rangé mon ciseau moi. Hop. Voilà. Un œil. En plus, il est un peu trop près de de son visage là ça va pas ce que j'ai fait moi hop hop et hop et voilà et là j'enlève voilà il a ses yeux on passe au noir oh, je suis chaud c'est trop mignon <laughs> ouais c'est mignon. Il y en a pas mal sur Travel, ça j'avais vu. Le résultat est joli. Ouais attends encore, c'est pas fini. Hein. Il y a des kits sur Shane, je crois, de Punch Needle. Ah ouais, tu dois en trouver partout. Hein. Tu dois en trouver partout. Mm. Là, ce qui me plaît, moi, c'est euh, reparti, c'est qu'il travaille avec... Euh... Oh, non, comment ça ah bah ben, je viens de boire. Bon allez, parce que tu as dépensé tes cookies, je revois un petit coup, Lucie. Ce qui me plaît chez euh, ces repartis, c'est leurs valeurs. Et ils travaillent... Putain, j'ai perdu le nom. Avec des ESAT. Ils emploient en fait des, 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 des personnes qui ont des difficultés dans, dans l'emploi. Souvent, c'est des travailleurs avec des reconnaissances handicapées et tout ça. Donc ça, ça j'aime beaucoup ces valeurs-là. Tout est... Enfin, c'est du bois. Tout vient de France. Je crois, ils ne font pas loin. Ils travaillent avec des tissus recyclés. La laine aussi. Enfin... Moi, c'est ça qui me plaît chez eux aussi. Euh... Le noir, on a dit. Hop. Après, forcément, vous pouvez trouver moins cher. Hop 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 hop. hop. Voilà. Avec des tout toutes. Tu as trouvé une expo. Voilà, c'est ça. <laughs> tu pars au lit, Marlène. Bonne nuit. Gros bisous et merci beaucoup d'être resté aussi longtemps sur, sur le live. Oh oui, je peux te trouver le lien, il n'y a pas de souci. Hop. Hop. Et puis franchement, en plus, ils sont super sympas. Enfin, moi, pour avoir discuté avec, euh, avec la, la responsable, franchement, ils sont top, quoi. Gros bisous Marlène, bisous bisous, bonne nuit. Allez, on fait le noir. Donc je reprends mon aiguille, on repasse l'enfile aiguille dans la tête, on la fait ressortir par le derrière, je remets mon fil, et je tire, et j'oublie pas, sinon ça ne marchera pas, de passer dans le trou de l'aiguille et voilà Hop, on va retirer pour pas avoir trop de laine qui dépasse voilà alors par quoi je commence ben, je vais faire son petit nez on va essayer de faire ressortir j'ai une boucle qui est un peu grande là on va essayer de faire ressortir son petit nez et, et sa petite bouche je vois plus le montrer hein. je suis deg il est par là je pense là c'est pas mal. Si je pique là, on va piquer là. On va voir ce que ça donne. Je fais ressortir mon bout de laine. Hop. Je retire pour pas trop gâcher, mais assez pour que la boucle se forme. Et on est parti. Donc là on est, on passe dans le niveau des détails du truc. Donc il faut faire un petit peu plus attention à ce qu'on fait, être un petit peu plus précis. Je vais remonter tout de suite faire son petit bout de nez. Hop. allez, je viens de me piquer, ça me fait mal, <laughs> ça fait mal. <laughs> On dirait pas, hein Mais ça pique fort ces aiguilles-là, non Du diou. Hop, un petit bout de nez. Je vais redescendre. Donc je repasse sur mes points, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et là il va falloir que je m'arrête au bon endroit et ça va être le plus dur parce que je ne vois plus. Là. Ça donne quoi si je m'arrête là Il sourit pas beaucoup ce panda. Je vais refaire un petit point pour remonter un petit peu pour le faire sourire. Voilà. Je pense que là on n'est pas trop trop mal. Quoi. On va couper, on va bien voir. Suspense. Ah, ça mériterait de repasser un peu dessus. Hein. Là ça bouche <laughs> les limites là je me demande si je vais pas refaire un petit coup un petit passage là euh... -ce que je reprendrai pas à partir de là je vais repiquer là et je vais refaire un, un petit passage pour qu'elle elle soit un petit peu plus marquée sa bouche Et je vais essayer d'aller le faire sourire un peu plus de l'autre côté. En remontant mon poing. Comme ça. <laughs> Il va pas voir la bouche droite. Je suis dégue. Oh, ça ira. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Il est beau la bouche de mon panda. <rire> <rire> Allez, on va faire ses petits yeux maintenant essayer de caler ça là hop voilà hop c'est tous partis sur le site de rêverie ou quoi de rêverie pff. de c'est reparti euh... oh mais non mais c'est pas possible je viens de voir que j'ai oublié cette zone là en blanc aussi oh, putain, la, bête. la bête la bête bon c'est pas grave allez on fait son oeil hop là Hop. allez, on est parti. Donc là, il fera sûrement que je revienne repasser sur mes petits yeux en blanc après. Mais j'ai une grosse quantité de noir par rapport aux zones que j'ai à faire donc. Par contre là je pense que je vais pas manquer hop son œil merde j'ai merdé un peu là je que j'essaie de rattraper ma bêtise C'est plus très arrondi son œil, crotte, crotte. Comment je vais rattraper ma boulette là Putain. Crotte. J'aime pas trop aller dans ce sens-là. C'est moins à l'aise. Ce qui est bien avec le noir, c'est qu'on voit pas trop euh, au final si on va à droite, à gauche, en bas, à droite. Euh... <laughs> <laughs> on peut aller dans tous les sens, on voit pas trop la diff je pense que je vais m'arrêter là on voit un petit dernier pour être sûr que j'ai une boucle, voilà hop, on va voir ce que ça donne merde j'ai mon, mon, mon filet gris qui saute dessus hop là on s'endort j'attends les yeux et puis au dodo je verrai la fin au prochain live bon je vais pas tarder à m'arrêter de toute façon aussi ça se démonte en cas d'erreur. Après, ouais, tu peux tirer sur les boucles et ça s'en va tout seul. Heureux Oui, on est toujours là. <laughs> ça marche pas les, les sons J'ai pas entendu. Hein. Je vais t'arracher les yeux, tête de cul. Bonne nuit, Egy. Merci beaucoup d'être passé. Gros bisous. Bon, je vous laisse. Merci pour le live. Gros bisous. Gros bisous, Stéphanie. Merci beaucoup d'être passé. Je vous abandonne, je vais bouquiner plutôt. Que de dépenser des sous dans toutes tes activités sympas que tu proposes. <laughs> Bonne nuit Audrey, gros bisous. Bah ben ouais ça marche plus. Comment ça se fait que ça bug comme ça Bah ben ouais. Donc les sons marchent une fois sur deux. C'est trop bizarre. Attendez. Pourtant la zone de notification est bien ouverte. Je vais la relancer. Hop. Hop. On va refaire un test. Hop. Ça s'est cassé ah, bon. tout seul. Ah bon? Oui. Fais voir. Ça, ça s'est cassé tout seul. Bonne nuit, Florence. Ah oui. Merci ça beaucoup d'être passé sur le live et gros bisous. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est le dragon. Tu veux rincer les yeux, tête du cul. <laughs> Ça compare. Ça compare, ce n'est pas là pour voir le problème. Bah ben oui <laughs> Où es-tu, Marley Où es-tu Premier live, je me ruine pour les tiroirs lapins. Deuxième live, des patrons de tim Troisième live, du pixel. Tu pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice Qui <laughs> commence à me hanter ce soir, les Pulse boycottent. <laughs> aïe, aïe, aïe. Tu l'aimes pas celle-là Laquelle C'est quoi que j'aime pas Bon, allez, on fait l'autre œil. Mais il est un petit peu. Oui, un petit peu bizarre mon œil quand même, là. Bon. Allez, on fait l'autre. Ah Et, euh... Ah bah le A, il paraît, il a du... Il a, il a bugué le A en ce moment. Ah Ah, c'est bizarre. <laughs> Je vais t'arracher les yeux, tête de cul. Ah moi j'adore celle-là. C'est ma préférée. <laughs> Il y a celui-là aussi qui est mignon. Ça, c'est pour euh, Spécial Céline, celui-là. Tu n'as qu'à me vendre et t'offrir un lapin Voilà <laughs> C'est pareil, il a un peu bugué le début, j'ai pas entendu. Alors, on y va. Oh, j'ai failli tirer mes boucles. Hop. On raccourcit le fil. Et on y va. Hop. faire son oeil et je pense qu'après on s'arrêtera ici pour cette fois Hop. là j'ai pas fait la même bêtise l'oeil il sera plus rond J'essaie de rattraper, de faire en sorte que l'eau blanc de l'œil ne touche pas le blanc du visage. J'espère que ça va le faire. Vous voyez bien que je suis un peu hors champ quand même. Attention, attention. On approche de l'œil. Ouais, ça va être bien de revenir avec le blanc après pour le faire ressortir son œil quand même. Hop Je vais t'arracher les yeux, tête de cul <laughs> J'aime trop. Allez coucou Ouh, voilà <laughs> fin du live vers 23h30 3h en tout pas mal ouais au final ça sera avec 3h <laughs> Bonne nuit les enfants bonne nuit Domi à bientôt gros bisous merci d'être passé sur le live hop 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 un point de plus pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou. Bam Je vous montre aussi comment on termine les fils à l'arrière normalement. Hop. Voilà. On a son petit bout de visage quand même là. Il prend forme, tout doucement mais sûrement. Tu m'as donné le tournier. <laughs> Il me reste cinq croix et je vous abandonne. Bon, on va partir aussi, un hein, petit Lucie. <laughs> Donc voilà, et donc après vous avez tous vos petits fils là qui dépassent euh, derrière. Il bah, faut simplement les couper. Rien de plus compliqué. Sors la phrase des yeux à ton mari le jour et il te prend la tête. Mais ouais, carrément. Je vais t'arracher les yeux, tête de cul. Bon, en ce moment il n'est pas à prendre avec des pincettes donc je ne vais pas lui sortir parce qu'il ne <laughs> va pas être content. Je vais couper, je laisse un, un petit centimètre. Vraiment un petit. Normalement je fais ça euh, tout à la fin quand j'ai fini mon projet. Mais c'est juste pour vous montrer. Hop. Oh là 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 là, what this, je n'ose pas tirer dessus. Ah non, c'est bon. <laughs> je crois que c'était une boucle que j'étais en train de défaire. Et voilà. Tadam. Bah oui, il a une petite bonne bouille ce panda. Hmm. Bon, j'ai oublié le blanc euh, là, là, entre ses bras. Mais je ferai ça la prochaine fois. Je repasserai sur ses yeux. Du coup, il nous restera ses petits bras. Et puis après, il bah, y a tout le fond à faire. Mais ça, je le ferai en dernier. Donc. Euh, après, il n'y a que trois couleurs sur celui-ci. Donc ça va, c'est assez facile. quoi. Sinon, le problème de cette nouvelle maison s'améliore ou c'est pire bah, Alors, ma maison, elle continue de. Elle avance. Le problème, c'est le mur de, de soutènement qu'on a au fond. Euh, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc, euh, on attend que l'avocat, enfin que son avocat, réponde à mon avocat. Ça fait déjà deux mois qu'on attend. Il n'a pas l'air très pressé. <laughs> ouais, ça rend bien. Ça rend bien. Il a juste un petit peu la bouche de travers, mais euh... sinon, ça va. Hein. Pas trop mal. J'essaierai peut-être de rectifier. Hein. Je sais pas. Je sais pas comment rattraper sa bouche. Bah, sinon, je pourrais tout enlever. Hein. Il suffit de. Si on fait des, des, des boulettes comme ça là, vous tirez sur un fil et ça va tout enlever. Hein. Ça va arracher tout, ça va enlever les boucles. C'est assez simple à, à démonter, du coup, comme projet. Voilà voilà pour le petit punch needle. Oh, je vais ranger mon petit bazar. J'ai encore pas mal de noir. Vous avez vu tout ce qui me reste comme noir par contre pour faire juste les oreilles et les deux petits bras là. On est large. Par contre, je suis un petit peu plus juste en blanc, mais bon, du blanc, j'en ai encore des, de mes autres projets, donc, euh, donc ça va. Tu ne fais pas de nœuds pour bloquer les fils et que ça ne se défasse pas. Non, non, Kathleen. Après, tu peux, hein, mais euh, la seule fois où j'en ai fait, c'était sur mon cactus parce que, genre, j'avais un point, quoi. Donc, euh, le fil, il pouvait bouger facilement, et encore que, euh, bon, normalement, après, quand tu l'encadres et tout, euh, ça bouge pas, quoi normalement. Je t'avoue, je non, moi je, je fais rien de plus. B de rien, merci à vous d'avoir été présent sur ce petit live. On va s'arrêter là, il est 15, ouais, c'est pas mal. Déjà j'ai fait du rab, hein, parce que normalement on essaie de faire deux heures, là ça fait trois quarts d'heure de plus. <laughs> merci à beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à Nana Moy pour la modération. Je crois que tu étais toute seule ce soir du coup. Euh... Toc -toc. Moi, je vais entamer le 29e... Pas sur les 30 Ah, la 29e page, c'est ça que tu voulais dire, Clem Bonne nuit, Flottine. Gros bisous, merci beaucoup. Bonne nuit, Zoé. Merci à toi, Marie, d'être restée jusqu'au bout. Bonne nuit, gros bisous à tous. Merci pour ce live bien intéressant. Mais de rien, avec plaisir, Kathleen. <laughs> Bonne nuit, bonne soirée, nuitée à tous. Merci Pauline pour cet agréable moment et la découverte du punch needle. Mais avec plaisir. Si je peux vous faire découvrir des choses, mais après, sans que ça plombe votre portefeuille, quoi. <laughs> C'est encore mieux. Euh, je regarde vite fait. Euh, Est-ce que vous allez tous au dodo ou euh, j'ai une personne que je suis là qui a... Euh, qui fait des de l'art, enfin des, des petites choses d'art. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Attendez, je vais regarder. Pour ceux qui n'auraient pas envie de dormir tout de suite, pour vous faire découvrir, alors pas des grosses, pas des grosses chaînes Twitch, mais des petits. Top, top, que je regarde ce qu'elle fait. Attendez, j'ai une pub, je regarde juste ce qu'elle fait. Live concours. Je... Ah. Je ne sais pas, aller avec une autre personne. Il y a un petit concours. Je ne sais pas si vous voulez que je vous raide chez elle, mais euh, si ça peut vous, euh, vous tenter de découvrir des nouvelles personnes, ça peut être aussi euh, un, une solution, ça peut être sympa. Et puis, sachez que si vous participez au raid, donc le raid, c'est quand je vous envoie sur la chaîne de quelqu'un d'autre, ça vous fait gagner des cookies. Voilà, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de rester, juste allez voir euh, vite fait l'autre personne, et ça vous permet de gagner des petits cookies. Donc, je vais lancer le, le raid. Si ça vous dit, vous y allez. Si vous n'avez pas envie, vous quittez. C'est vous qui voyez. Donc, je vais lancer le raid. Et après, vous faites comme vous voulez. Euh, moi, je vous fais des gros gros bisous à tous. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été présents sur le live. On se retrouve du coup jeudi pour le lancement de l'événement au Je vous fais à tous des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!